Hello tout le monde! Comment ça va? Bonjour! Allez, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce qu'on est bon? Bonjour Twitch, bonjour le chat, bonjour la Japan Expo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. On est parti là, dans quelques instants. On va découvrir la Japan Expo ensemble, il y a des belles choses à voir. Bon, à Skip, on devait manger des taiyaki hier, mais Air France en a décidé autrement. Ah, petit écran, ouais, j'ai vu. Je disais à Skip, on devait manger des taiyaki hier, mais... T'as vérifié que t'es bien en... Oui. Ok. Ouais, c'est bon. Parce que moi, je m'étais connecté en... Non, moi, je suis sur mon appareil. Ok. Ah oui. Eh, bonjour. Tiens, regarde, on peut dire bonjour. Ça va? Allez, c'est parti. Attendez, je bug sur mon appli, là. Salut Ninja Alex, salut Lianav, salut Mamonique, salut Bûche, coucou Emma Opaline, salut Django, coucou les amis, salut Fabioche, salut Griff, coucou Chinux, Antique Galaxy, salut à toi. Est-ce salut que vous nous entendez bien? Je pense qu'on vous entend bien, ouais. C'est assez magique. Welcome. Et on a repéré quelques pépites. Alors, je vous préviens, quel est ton objectif de cette Japan Expo 2024, Jérémy? Alors, il y a un objectif qui s'est greffé il y a quelques minutes. Ah bon? Quand j'ai vu quelqu'un avec un stand du pop-up store de Nintendo. Ah oui. Et j'ai fait OMG, need. J'allais donc, dire voilà. le loot et le loot. Hein. Et bien sûr, le loot. Hein. Alors, l'objectif, ce serait de looter quelque chose de gratuit au stand Nintendo. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des trucs gratuits. Ce serait cool. S'il n'y a pas de trucs gratuits, je comprends pas. Ouais, en vrai. Coucou Elena, ça va bien? Salut Steve! On attend ton interview, CA. Alors, c'est pas mon interview à moi. Intervention, hein. Il a dit. Ah, mon intervention, putain, je lis mal. Pardon, je marche. Ouais, parce qu'on marche en même temps, donc. Ouais. Ce sera en live, ouais, Django, ce sera en live. Clo sera dans le public et. Je ferai la commentatrice et je tiendrai la caméra. Ça va être incroyable. Je vais lâcher mes meilleures vannes préparées. En vrai, j'ai trop hâte de rentrer ce soir. Et de regarder le replay. Et de regarder le replay pour entendre ton commentaire et vos réactions dans le chat, hein. Ça va être incroyable. Sincèrement, à deux doigts de, tu vois, tu sais quoi? Mais c'est horrible, je vais te niquer ton intervention. Vas-y, raconte-moi. Quand tu seras dans l'intervention, il y a un moment donné où sur ton live, je dirai prout. Et si tu devras, si, voilà, peut-être tu me verras le dire ou pas, peut-être que tu vas exploser de rire sur ça. Il va y avoir beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, je vais pas t'entendre. 100%. Non, mais même sans m'entendre, okay. Tu le verras sur ma tête. Ok. Voilà. Peut-être que je vais faire ça pour te déconcentrer. Peut-être. Il y a beaucoup de monde déjà ce matin. Il y a des beaux stands, franchement. Alors, ça fait quoi? Une heure qu'on est là à peu près? Un peu plus? Ouais. Un peu plus, quand même. Oui, un peu plus, mais il est déjà midi. Je perds la notion du temps. Il y a des cosplays trop cool. Et vraiment, je trouve que cette année, les stands, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité. Ouais. Oh, regarde, il y a un photobooth. Ah, trop bien. Ni d'un photobooth. Ouais. Mais trop nid. Qu'est-ce que j'allais dire? En plus, ils te font de la bouffe. Attends, il y a du loot de bouffe, là. Et il y a un gachapon. Non, mais laisse tomber, là. Vas-y, et la photo, attends, c'est une vraie photo qu'on a ou quoi? Comment ça se passe, la photo? Parce que si ça... J'ai l'impression que c'est une vraie photo, hein. Mais il y a une queue de fou, par contre, c'est derrière, la queue. Ouais. Ah non, tu la reçois par email. Nul. Nul, salut. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut Baptiste. J'allais dire un truc. Ouais. Un truc intéressant. Ok. Je sais plus ce que c'était. Coucou Melmille. Tu parlais de la convention, de la conférence, du fait que tu allais dire prout. Non, mais ça, c'est pas intéressant ça. Ah bon? Obligé de le répéter, tu vois. Bon, je trouvais ça passionnant. Ah oui, je sais, j'étais en train de dire, il y a plein de cosplays hyper sympas. Si vous reconnaissez des cosplays pendant qu'on est en stream, n'hésitez pas à le dire dans le chat, c'est rigolo. Si vous dites, enfin je sais pas ce que t'en dis, Jérémy, mais genre, ah là il y a un cosplay de machin et tout, si vous reconnaissez certains personnages, ouais, carrément. N'hésitez pas à le dire, nous on les connaît pas tous. Carrément, des fois on en voit qu'on reconnaît, mais l'année dernière on en avait vu des vraiment très impressionnants.
Eh, ça passe la Suica, là, j'ai oublié de la passer. Putain, j'ai failli oublier ma Suica. Carrément. Merci à Malmy d'avoir lancé le train de la Suica. On va se faire DMCA sur les Spice Girls, là. J'entends pas. Ah, tu veux que je les entends pas? Je pense que les micros, ils... Ouais, ouais. Ah, là, on est dans une zone plutôt artisanale de la Japan Expo, un endroit que j'aime beaucoup. Parce que là, tu vois, il y a de la poterie. Il y a de belles choses à voir. Il y a de la poterie, il y a des kokeshi. Il y a vraiment plein de trucs cool là. Et ça, c'est le Japon que j'aime bien voir. Putain, le petit bol là, pour faire des ramen en stream cuisine là. Salut Aurel, ça va bien? N'hésitez pas à faire un coucou dans le chat, hein, ça fait plaisir. Hein, même si vous restez 2 secondes et que vous mettez le log derrière. Salut Matouloulou, ça marche. Bonne fête d'anniversaire, amuse-toi bien. Malmy, ça va la forme? Eh Ninja Alex, incroyable. Putain, désolé pour le live d'hier, hein. Vraiment, je vous ai pas trop tenu au courant parce que c'était vraiment la galère. Le vol qui est arrivé à la bourre, le RER qui a mis 200 ans, je suis arrivé sur Paris, c'était presque 19h30, alors que je devais y arriver plutôt vers 15h, 16h. Voilà, donc comment dire? Lancer un live à 20h pour finir à minuit alors qu'il y a la Japan Expo le lendemain, c'était pas une bonne idée. Donc voilà, on a préféré. Enfin, j'ai préféré annuler pour pouvoir vous faire un joli live aujourd'hui et être en forme parce que on a une grosse journée aujourd'hui sur mon live, sur le live de Cloto aussi. Ça va être la folie. Oh, ils sont trop cute les chats. Trop cute les chats. Il y a des petites choses sympas. Hein. J'ai vu des petits bols pour faire comment ça s'appelle? Des ramen. Oh bordel, osake.fr. Oh là, oh là. Vous avez des... Ah punaise, ils font tester le saké et tout quoi. Vous y connaissez un peu en saké ou pas du tout? Mimachi, vieilli 3 ans, première neige, ça a l'air rigolo ça. Bonjour. C'est sympa, incroyable. Putain, il y a des trucs cool là. Je sais pas si vous y connaissez un petit peu en saké. Ah, attendez. Elle est mute, c'est bon. La santé, ça va à peu près. Salut Rodiam, salut, grosse journée à toi. Moi, c'était hier, je fais la surprise à mon fils de l'emmener à Japan Expo. Pour la première fois, il était aux Anges. Ah, let's go, incroyable. 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 Ah, mais j'ai vu, attends, j'arrive. Bah, la Japan Expo aussi, ça qui est cool, c'est qu'on est en IRL et il y a beaucoup de monde. Et aussi, c'est l'occasion de vous croiser et de croiser des gens là. On a... Donc voilà, les règles de l'IRL, elles s'appliquent moins sur les streams à la Japan Expo. Alors, ne me sautez pas dessus, bien sûr. Soyez gentils. Mais voilà, ça va bien. Hop, alors attendez, je mute 2 secondes. Oui, alors bien sûr, là, on a fait une petite pause parce que juste disais bonjour à quelqu'un. Et pas n'importe qui, c'est celui qui hante et qui embellit la prison du Germiland, bien sûr. Hein, l'incroyable Dark Hill qui est juste à côté de moi. Il fait son timide, là. Hein, il est tout sage, il est tout gentil, là. Il est un peu... Mais non. Tu vas te faire un prison, là. Calme-toi, là. Prends un saké, là. Bon voilà, la Japan Expo c'est ça aussi, c'est le moment où on fait des rencontres. Et regardez, il y a Julien Fontanier juste là-bas aussi. Enfin, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est trop bien. Tu restes la journée? Ouais. Impeccable. Impeccable. Ah,
si les gens m'entendent. Bonjour tout le monde. Voilà, il y a Darkil qui vous fait un bonjour les amis. Hein. Bonjour à tous, bonjour le Germiland. Vous entendez la voix de Darkil quoi, incroyable. C'est Darkil, voilà, pareil. Le vrai, l'original. C'est l'original, celui qui rend le bon, les prisons là. Bon, nous on va tracer parce que j'ai ma conférence et je veux faire un petit tour. Mais on se Ouais, tu viens si tu veux et on se recroise peut-être pendant la convention. Ouais, pas de problème. Ok, à plus tard. Au revoir tout le coucou monde. Coucou, t'as des coucous de Darkil. Ouais, regarde, dédicace à toi Darkil. Laisse-moi, tu veux passer sur le stream, je te mets sur le stream ouais, hein, si tu veux. La main. Que la main. Non, mais regardez, il est là. Voilà. Allez, on y va. Vas-y. Tu veux dire au revoir? Ouais. Allez, ça marche. Ouais, c'est moi qui suis mute ou pas? Ouais, c'est bon, c'est moi qui suis mute. Let's go. Incroyable. Oui, bah oui, forcément, quand on est en convention et que vous êtes là sur la convention, c'est pas la même que quand on est dans la rue. Donc voilà, on a un peu plus de souplesse. Mais ne bombez pas le live, s'il vous plaît, si vous êtes dans le coin. Ne me sautez pas dessus, ne me faites pas peur, bien sûr. L'incroyable Julien Fontanier, bien sûr. L'incroyable, qui est en train de proposer ses cartes et son livre qui est publié chez Hachette. Incroyable. Que voilà, on va pas l'embêter. Il est en train de discuter avec un abonné, un apprentissage japonais. Ah, Aurel. Aurel, t'as envoyé une prison. Ah, voilà, dédicace à toi, Darkil, prison. Putain, j'avais pas vu. Par contre, attendez, je suis parti. J'ai marché. J'ai abandonné Clo. J'ai abandonné Cloto. Un jour qu'on aurait pu se croiser. Mais ouais, je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient là et... Eh ouais, mais j'ai pu venir que... J'ai pu me libérer que le samedi... Attends, elle est là. 1-2, 1-2, j'ai perdu Jérémy. Où est Jérémy? Tu m'as pas vu? Ah, c'est bon, tu m'as vu. C'est bon, tu es démute? Ouais, c'est bon, t'es démute. Cool. T'étais en train de lâcher des... Au secours, où est Jérémy? Ouais. Incroyable. Il y a Julien Fontanier juste là. Ah, trop cool. Ouais, j'ai fait j'ai regardé. T'as fait un petit coucou? Bah, il était en train de discuter avec quelqu'un et je voulais pas l'interrompre. Genre, salut, je suis en stream, fais un coucou à la caméra, tu vois. Donc voilà, on va éviter quand même. Mais si à un moment il est un peu plus sage, on verra. J'ai dit, est-ce qu'elle va me voir? Ça va, Géa? Oui, j'ai eu un bug. Oui, c'est ça. Je connais cette tronche. Oui, tu vas bien? Pour une fois que je te rencontre, c'est trop bien. Oui. Ça va? Bah oui, t'es en stream? Ouais, je suis en stream, là, on est en IRL, là, je vais te lancer. Puis après, on va sur le stand avec... Tu vas se nous voir? Bah, je suis en conférence avec Thibaut sur le Japon, à 12h45. Voilà, ça fait trop plaisir. Je suis avec Géa Dess, les amis. Géa, pour la petite histoire, c'est une des premières streameuses que j'ai rencontrées quand j'ai commencé ma chaîne en 2021. Je suis une des premières? Ouais, t'es une des premières personnes que j'ai commencé à follow et à papoter, etc. Sérieux? Ouais, c'est, bah, ça remonte, hein. Et, c'était quoi, 2021. 2021. Moi, j'ai commencé en 2021. Et du coup, bah ouais, bah en fait, je t'ai loupé à la TwitchCon l'année dernière. Oui. Et après, t'as loupé beaucoup de moi, mais en même temps, on a loupé beaucoup de moi parce qu'il y avait beaucoup de gens à voir. Non, moi, surtout que j'ai pas fait les 3 jours. Moi, j'ai loupé le samedi, là où il y avait tout le monde, en fait. D'accord, ok. J'étais pas de chance. Vendredi, j'étais là dimanche, mais j'étais pas le seul. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, on va se recroiser au stand là-bas, sûrement. Je sais pas, de toute façon, je suis en train de faire mon petit tour. On se recroise à Stream & Chill. Trop bien. Du coup, c'est trop bien. Je savais pas que tu faisais la conférence avec Thibaut. Surprise. Ah, il est génial. Je le connaissais pas, franchement, c'est un Il est trop sympa. Il est trop sympa. Adorable. J'ai trop hâte. Bah, écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Trop bien, on croise trop plein de gens là. Mais c'est fou. C'est trop bien. Alors pour le coup, moi je la connais pas très bien, mais toi tu reconnais des têtes comme ça, tu snipes les gens. C'est normal parce que Géa ouais, me tu fait. La connais depuis longtemps. Bah alors déjà je la connais depuis longtemps, mais elle stream beaucoup moins. En fait, ouais. Je l'ai connue à une époque où elle streamait énormément et elle a arrêté de streamer. Je pense. Enfin, elle était un peu moins régulière et elle a eu beaucoup de choses à faire dans sa vie professionnelle. Et aujourd'hui, elle stream de temps en temps. Elle nous raide régulièrement dès qu'elle peut. Et voilà. Et c'est vrai que, bah, en fait, je l'ai vue, elle est arrivée devant moi, quoi. Ouais. Donc, j'ai dit, attends, est-ce qu'elle va me reconnaître? J'ai dit, je bouge pas, on va voir. C'était trop drôle. C'est un peu priceless. Ouais, merci pour les subs, là. Eh oh, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a un train de live qui arrive, là. Darkil, le 25e mois. Darkil, il a payé sa taxe pour être passé sur le live. Darkil, il a payé sa taxe pour être passé sur le live. Hey, Darkil, tu sais que c'est ban def normalement. Hein. On le ban def ou pas, Darkil? Vous mettez dans le chat s'il faut ban def Darkil ou pas. Non, en vrai, soyez pas méchants parce qu'il a été trop gentil. Oui. J'imagine que toi, tu l'as pas entendu, mais sur le live, ils l'ont entendu. Il ouais. m'a pris à part, il m'a dit, bon, il est en stream, je le dérange pas. Et j'ai dit, oui, mais Darkil, j'ai mon micro. Et il a fait, merde.
Non mais j'ai dit dans le chat, j'ai dit c'est vrai qu'on est en conférence, donc bon les règles de l'IRL, on essaie de les respecter, mais on essaie de faire aussi attention. Et ne me sautez pas dessus si jamais oui, je crois qu'en croisez, plus ils sont tombés sur nous par hasard. Oui bien sûr, non mais voilà, c'est des trucs qui peuvent. Il a pas cherché sur le stream. C'est des trucs qui peuvent arriver, donc voilà, on est en conférence, on est. Ils t'ont vu, ils t'ont vu, ils t'ont reconnu. On est moins regardant sur ça. C'est pas pareil que dans la rue où quelqu'un nous suit par exemple ou quoi. Je veux dire, oui, là, non, c'est pas la même chose en là, effet. Voilà, on sait dans quel environnement on est, et franchement je me sens safe, tu vois, de me dire voilà, on est là, il se passe ça, etc. Et tout, oui, non, mais vous sentez quand même pas trop, c'est pas parce qu'ils se sentent safe que... Oui, non, voilà, c'est... laissons vous le live. Vous vraiment pas obligé à de venir... Le live à tout le monde, bien sûr. Merci Bûche pour le subwoofer à Griff, merci Mopaline pour le subwoofer à Mufuji. Putain, le train de la hype qui se lance, train de la hype à la Japan Expo, incroyable. Il y a une scène là-bas avec des cosplays. Ok. Et on a passé... Alors bien, ce que je te propose, c'est qu'on passe par là. Parce que là, c'est le... Mais du coup, en fait, avec tout ça, on était au Kokeshin, hein. On était au Kokeshin. On les a même pas vus. On les a loupés, même moi, je les ai pas montrés. On repassera. Ouais, on va repasser. Faut pas qu'on manque là. Eh, les amis, oh, midi regarde, 30. Tu peux faire des parties de... Oh, c'est du shogi. Incroyable. Putain, un beau plateau de shogi, vous avez vu ça? C'est ouf, bonjour. Bonjour. C'est Nintendo, ça. Il joue déjà. Nintendo. Oui, on a ça, c'est Nintendo. Vous avez le plateau Nintendo, les pièces Nintendo. Incroyable. Les deux sont moins 60. Bon, ça, Nintendo, ils font des plateaux Nintendo, de... Mais Nintendo, à la base, fait des jeux de société avant de faire des jeux vidéo. Ok, je savais pas. C'est une entreprise qui a plus de 150 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et à la base, ils faisaient des cartes Hanafuda. Ok, des petites je savais cartes. Pas. Regarde ça, d'ailleurs, ça, c'est un des tout premiers jeux que Nintendo a sorti, ça. Tu veux faire un petit tournoi de... Je sais, c'était pour la pranker, mais... Il y a un tournoi de shogi? Oui, un tournoi de shogi la semaine prochaine. Non, mais je sais pas jouer. Ah, par contre, c'est tu cool. Bien sûr que tu sais jouer. Non, mais je sais jouer parce que sur l'ordinateur, il te dit oui, déplace là. Mais par contre, là, ouais. C'est avec les déplacements. Ah, c'est comme ça que tu joues, toi? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est avec le Kumon et donc les déplacements sur les pièces directement. C'est trop pratique. Il y a les astuces sur les pièces. T'as la triche. Le cheat code, il est juste derrière non, la pièce. C'est incroyable. C'est pas un cheat code, c'est le Kumon. C'est trop bien. Ouais. Je connaissais pas. Ok. C'est génial. Mais du coup, vous êtes quoi? La fédération de shogi en France, un truc comme ça? Salut Alexandra. Ligue Île-de-France Shogi. Je savais même pas que ça existait. Moi non plus. Mais c'est trop bien. On peut prendre un flyer? Super. C'est. Nick. Ah, cool. Et là, on est aussi avec la fédération parce qu'on a aussi la liste des clubs en France. Ok. Let's go. Vas-y, t'as pas envie de t'inscrire dans un club? Vas-y, je vais garder ça et je vais regarder tranquille à la maison. Trop cool. Et merci pour le train de la hype, les amis. Merci beaucoup. Ok. Trop cool. Le petit Demon Slayer là, il est trop cool. Trop bien. Merci pour les explications. Bonne journée. Merci beaucoup. Toute la journée. Toute la journée, du coup. Courage. Bon courage. Trop cool. Et merci pour le train de la hype. Il reste 1 minute 30 pour ce train de la hype. Incroyable train de la hype de la Japan Expo. À skip au niveau 10, une pluie de mochi glacé tombera sur le live. Si c'est pas vrai, je vais être extrêmement. Non, s'il y a un niveau 10, je t'offre des mochi glacés, ils sont juste devant. Si y a un niveau 10, tu m'offres des mochi glacés. Je t'offre des mochi glacés. Putain, j'ai envoyé 5 subs ce mois-ci dans ma poche, certes, mais. Terrible, bonjour. Là, on va voir un petit peu les artisans japonais. Qu'est-ce que ça fait là? Ça imprime sur des t-shirts. Franchement, par rapport à l'année dernière, ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de trucs genre trop cool, tu vois. Bah tiens, regarde, toi qui aimes les origamis. Oh bonjour. C'est cool ça. Oh my god, c'est si beau. Très très joli. Hi, Dajon Bodes. Merci Bûche pour le subwoofer à l'Ironor. Merci Mamonique pour le subwoofer à Mochi Glacé. Incroyable. Ça fait gling-gling, non? C'est incroyable. C'est très, très fin, c'est très joli. Je sais même pas comment c'est possible parce que... Je sais même pas comment c'est possible parce qu'il y a plusieurs couches, tu vois. Il est bien épais. Arigato gozaimasu. Très très cool. Petite galerie d'art, t'as vu? Ouais. Origin. Incroyable. Vu, je te sais beau faire à Sony, merci beaucoup. Est-ce que c'est un jeu de mots?
Je sais pas. Je sais pas. Parce que Origin. Ben oui, oui, je sais. Mais je sais pas si c'est un jeu de mots. Le jeu de mots est incroyable. Et puis, je sais pas faire Alexandra, mais putain, Bûche, Bûche, il s'énerve. Niveau 3. Toi, t'es à 7 niveaux de ton mochi, toi. C'est très, très beau. J'aime beaucoup mais les boucles d'oreilles. Trop. Les boucles d'oreilles, elles sont incroyables. Incroyable. Si j'étais une femme, je mettrais des boucles d'oreilles oranges. Elles sachez-le. Sont tellement belles. Ça me donne presque envie d'en acheter. Ben ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Vu que t'as des... Bonjour. Je suis... Rapproche-toi de moi. Dans le miroir. Ah oui. Bonjour, on est là. Écoute, j'ai pris le petit flyer. Ouais. Ok, super. Bonjour. C'est très très beau. C'est vraiment très joli. Chaque tableau raconte un peu son histoire et montre une scène de cérémonie traditionnelle ou des objets symboliques. Ouais. Par exemple, vous connaissez les poupées Hinatsu ? Je connais un petit peu, oui. En fait, le 3 mars, c'est la fête des petites filles au Japon. Ouais. Et il y a une poupée de petits hommes en train de se marier pour leur espérer une meilleure santé et un meilleur travail. Oui, le Hinamatsuri, c'est ça? Pour le Hinamatsuri. Ok. En parallèle, vous avez le 5 mai, la fête des enfants. Hmm. Casque de samouraï, c'est un camo. Ah, c'est génial ça! Petit garçon qui grandissent plus fort et en bonne santé. C'est trop bien. C'est très très beau, c'est vraiment très très bien fait. Moi je fais des origamis mais que les grues. Hein. Ça c'est un autre niveau. Les boucles d'oreilles, je trouve ça très très chouette aussi. Ouais. Hein. Vraiment très chouette. Merci Pauline pour le sub offert à Gargouille, merci beaucoup. Je sais pas comment, mais c'est, du coup c'est du papier. Mais elles sont imperméabilisées ou quelque chose parce que elles sont vernies, d'accord. Mais oui parce que... Oui bien sûr. Ouais ouais, non voilà. Oula. Attention, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée. Je suis désolée, je vous laisse, vous voulez que je la remette ou... Oui Sony, je vais mettre les boucles d'oreilles, tu... C'est vrai Alexandra, t'as raison. Merci. Coucou Ample. Je suis désolée. Putain mais le train d'être niveau 3, mais... Maman, ok, bah ouais, mais c'est vrai dépassé... que... Ah bah oui, t'as dépassé les 1000, c'est vrai. Ouais, bah ouais, c'est même plutôt solide le papier, hein, mais... C'est très 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 beau, enfin, je suis très impressionnée, j'aime beaucoup. C'est très beau. Non, non, t'inquiète, au contraire, c'était très bien. Je suis en train de dire que je trouvais ça beau. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, je me passerai peut-être. Et là, tu vois, on tombe sur de l'artisanat japonais. On est même avec des gens qui ne parlent pas français. Il y a juste une personne qui parle et qui s'exprime en français. Et viens voir. Je trouve ça génial, quoi. Ah oui, les sacs à partir des kimonos, là. À partir de kimonos. C'est très joli. Bonjour. C'est trop beau. J'aime trop. Très joli, ouais. Les tissus, là, la réutilisation, c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. C'est très, très beau. Vasons transmis deux générations dans chaque foyer japonais. Ça, ok. Tu sais lire en japonais en dessous ? Non, bah, les kanji sont un peu trop durs à. Ok. Watashi wa sukoshi nihongo wa nashimasu. De mo kanji wa muzukashii de. So, sore wa yomenai. Sugoi nihongo jōzu desu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Sugoi desu. Oh, Akarimashita. Elle nous dit que ça fait à partir de kimono. Hein. Tout ça, ça vient de kimono et ça a été fait en sac. Et là, on a des blasons de famille et c'est très, très, très joli. C'est très, très joli. Très, très joli. C'est Atelier Ali. Pamphlet, là, il y a ça. Ah, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. C'est trop bien. Ouais. Putain, mais regarde. C'est très beau. Hein. C'est des robes. C'est très très beau. Hein. C'est incroyable. On va aller voir. Allez voir sur Instagram. Allez voir sur Insta là. Hop. Mais la robe. Mais attends, t'as montré? Ouais, j'ai montré. La robe en kimono. Je montre Instagram. C'est incroyable. Arigatou gozaimasu. Je me revois au Japon là. C'est trop bien là. Ouais, ça fait bizarre. Bonjour. Hein. Bonjour. Oh, ça c'est génial ça aussi. D'accord. Ils sont originaires de Fukushima. D'accord. Chacun est venu présenter donc son artisanat. Donc vous avez toutes des pièces donc toutes confectionnées à la main. Avec c'est super. Des pièces différentes, donc un peu uniques. Et donc en fait, chaque artiste donc, est venu donc, présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Avec plaisir. Merci beaucoup. Les artistes.
Merci. Là, vous avez par exemple des dessous de verre. Non, mais là, je suis en train de. Non, mais faut pas me montrer des trucs comme ça, c'est très très beau. On voit pas partout comme ça en tatami. Non, c'est vrai. C'est vrai. T'as vu ça? C'est super original, les dessous de verre en tatami. Ça donne un petit style. Bûche! Merci, Bûche. C'est. Oui, on est en live sur Twitch. Je suis en train de montrer à tout le monde ce qui se passe là. Incroyable. Incroyable. C'est vous qui faites ça. Alors, ce monsieur, c'est la vaisselle en bois. C'est la vaisselle, d'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est du bois? Oui, c'est du bois, donc en fait, c'est très, très léger. Ah, merci. C'est du bois, donc c'est du bois. Ok. Châtaignier. C'est génial. Par exemple, pour une pièce comme ça, vous avez à peu près 6 mois de travail. Ouais. Ok. Ça, c'est le. Je veux oui, ah, c'est ultra léger. Tu veux essayer? C'est très bluffant. Ah oui. Tu as vu? C'est du bois. C'est super léger. C'est lumineux. C'est très brillant. C'est. J'aime beaucoup. J'ai envie de step up le stream cuisine là. Je fais de la cuisine japonaise. Du coup, c'est pour ça. Voilà, je fais. Et, Twitch, et du coup, c'est vrai que voilà, là, ça peut être intéressant. C'est. Oui, c'est la petite carte de monsieur. Trop bien. Ah, y a rien derrière. Live de Twitch de live shimasu. あと日本料理を作って日本へ行きました。ライブをします。どういたしまして、ありがとうございます。 C'est très très beau. Et ouais, je suis très bluffé. J'aime beaucoup. Genre, on fait un petit tour, mais je pense qu'on le repassera après le live. Hein. Ouais, on fera les achats après le live Twitch. ありがとうございます. ありがとうございます. Super joli. C'est beau ça aussi. Tu as vu ces boucles d'oreilles? Ouais. Oh, c'est très très joli. Ah oh là 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 là, c'est les petits détails. C'est très délicat. C'est en fait des Shimenawa, je sais pas si. Shimena. Non, je connais pas. C'est un porte-bonheur, c'est oui, ça? C'est... Exactement, c'est un omamoni, donc porte-bonheur, donc il protège. Et donc il y avait la paix et la prospérité. En fait, d'habitude, on l'accroche au Nouvel An, en fait, comme ceci. Mais oui, ça me parlait de Nouvel An. Ok. Sur la porte, à l'entrée, protéger le foyer. D'accord. J'ai envie de tout acheter. Mais oui. C'est très très beau. C'est très très beau. Ok. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Le stand est incroyable. Alors là, on est où? On est au stand A04. Ok. Donc voilà, si vous êtes Japan Expo, c'est pas que des gros stands, vous avez des peluches, etc. Venez voir les stands des créateurs comme ça, parce que c'est vraiment ça qu'on a la possibilité de voir et de rencontrer, c'est des gens qui font des choses incroyables de leurs mains. Regarde les pierres, les couleurs et tout, c'est fantastique. Le compte bancaire en PLS à la fin de journée, tout à fait. Là, ça va être vraiment dur parce que tu vois, j'arrête pas de me dire. Comment ça s'appelle? Shimenawa. Ah, wakarimashita. Arigato. Ça donne très envie de mettre ça sur sa porte. Mais oui, t'as envie de décorer la chose, t'as envie de. C'est tellement beau. Et là, tu vois, une petite soucoupe avec plein de takoyaki. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Ilizur, merci pour le resub, let's go. Le train de la hype, 70% niveau 4, incroyable. Merci Ilizur, merci beaucoup. Comment ça va, poteau? Ça va bien? C'est drôle parce qu'il y a vraiment des choses hyper différentes. Putain, Bûche, encore merci. Hein. Putain, Bûche. Eh, Bûche, Conquerax, t'as récalé Conquerax. Putain, le poteau qui est là en plus aujourd'hui. Faut qu'on arrive à le choper. Incroyable. C'est très très beau. Genre. T'as vu le daruma géant? Ouais, le daruma là, il est beau, hein. Ouais. Très très beau. Et les ça je suis. Sakana, du coup. Sakana, oui, c'est dorade, c'est une koi. Fukushima kawaii koge. C'est des doubles parois les tasses là? Ah ouais! Oh waouh! J'avais pas vu. Une paroi à l'intérieur, une paroi à l'extérieur. Ouais, comme ça on se brûle pas. Garder au chaud. Ouais. Trop bien. C'est super. J'en ai en verre des tas, mais je savais pas que ça se faisait en poterie comme ça. C'est trop bien. Tout ce côté craquelé aussi est vraiment typique de la céramique japonaise. C'est vrai.
fait, ils le font aussi dans les petits verres là-bas à saké. Ouais. Parce qu'en fait, ils boivent aussi le oui, saké chaud. Oui, le saké chaud, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est très brûlant souvent. On se brûle quand on touche. Il y a aussi d'autres couleurs, si ça vous intéresse. D'accord. Il y a aussi en noir et cette couleur-là. Et en blanc, ouais. Super, merci. Arigato gozaimasu. Ça aussi j'aime beaucoup. Oui. Le solo, juste une fleur. Juste une toute petite fleur. C'est incroyable. Mais portez si vous voulez, c'est très léger. On vérifie si c'est vraiment léger. C'est léger, je confirme. Et il y a marqué quelque chose en japonais dessus. C'est la non, c'est la marque. Ah non, c'est la marque. Ah, c'est stylisé, on aurait dit le kanji du soleil. Ça m'a induit en erreur. Ah. Regarde, t'as vu, c'est rigolo, ils sont suspendus. Qu'est-ce qui est suspendu? Mais regarde, ah, là. Les verres, ah ouais. Et comme c'est du bois, tu peux l'attacher à ton sac. Tu vois, à ton sac à dos, oui, mais tu on cherche toujours des trucs pour que ça léger, nous. Ouais. Les assiettes aussi, donc sur le bois, elles sont très très légères. Ah, les tégoules, ah, les... Ah là là, ça... Ah, je... ah, le tissu, non. Ne montrez pas du tissu. Non, 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 c'est une addiction, vite, là. Vite, il faut c'est... s'en aller, là. C'est dangereux, là. Du coton de Aizu, qui est une région... Ok. Incroyable. Ouais, ça a l'air. J'utilise des machines qui datent d'il y a plus de 100 ans. Incroyable. Celui-là, il est très très beau. Hein. C'est un énorme furoshiki, ça, en fait. C'est exactement ça. D'accord, ok. Très très joli. Ok, merci pour l'explication. Merci beaucoup. Ah ouais, regardez la double paroi. Regarde la théière. La théière en double paroi? Oui. Mais non. Incroyable. Dinguerie. Elle est trop belle. Ça donne soif, ceci. Elle est très très belle. D'arma ouais, orange, on connaît, là, ils ouais. sont très très beaux. Waouh. Incroyable. Ouais. Merci. Petit bougeoir aussi, là, c'est beau, hein. Il y a de belles choses à voir, hein. Il y a vraiment de très très belles choses à voir, hein. Là, vraiment, là, vous voyez, là, c'est cette zone qui est un peu excentrée de la Japan Expo, vous avez des grands moraines, là, qui tombent, là, comme ça, là, des grandes voilures. Rentrez, là, ça fait une espèce de petit village, la zone A5, dans le hall 5, zone A. Vous pouvez pas manquer, il y a un stand d'onigiri juste devant. Putain, vous allez pour bouffer, vous arrêtez. C'est marrant parce que c'est vraiment pas l'endroit de la Japan Expo où il y a le plus de monde. Mais non, mais pourtant c'est ça. Il faudrait. Mais c'est ça qui me bute. C'est ça qui me bute, c'est que là, il y a plein de créateurs, il y a plein de trucs de dingue. Il y a plein de trucs de dingue. Je surveille l'heure, hein, parce que on approche. Je vous rappelle que dans peu de temps, je suis pas. Goéland. Non, c'est bon. C'était pas le tenant là, ptérodactyle. Non. Cormoran, ouais. Ah. C'était pas quoi Code Cormoran. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'allais te dire? T'as vu que t'as un follow? Ouais, j'allais le dire. Thibaut, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Oh, j'ai même pas activé les notifs. Putain, mais vous avez fait des subs, il y a même pas les notifs. Mais je suis le pire. Alert box. C'est bon, alert box. Vas-y, vous pouvez tester. Hein. Avec moi, je vous rappelle, je suis avec Cloto. Cloto qui sera en live juste après. Et merci beaucoup, Yellow Submarine, pour le lurk. Pour découvrir la Japan Expo, mais le côté plus édition de la Japan Expo. Et ah oui, c'est ça que je pense pas que t'as capté, ouais. Mais quand il parlait en japonais, le monsieur, et qu'il disait que ça existait en d'autres couleurs, oui. Il a dit en noir et en je sais plus quelle oui, couleur, oui. Et du coup il a dit Kuroto. Oui, oui, mais oui. Mais ça m'a fait trop bizarre, j'ai entendu. Oui, oui, moi aussi, je l'ai entendu. Kuro, Kuro, noir, to, oui, je et. Sais. Ouais, oui, c'est je ça. Sais. Non, mais j'explique pour le chat. Oui. Parce que toi et moi, on sait oui, que. C'est vrai. Mais par contre, attends, excuse-moi, mais. Les vibes qu'il y a eu là. T'as parlé japonais, ça a dû faire tellement mais bizarre. Mais ça m'a fait. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu vois là, je me suis mis à parler japonais parce que j'étais obligé de parler japonais. Ouais. Là où en France, on rencontre des gens et les gens parlent en français et des fois, c'est des personnes expatriées du Japon, mais qui parlent très bien l'un et l'autre. Et des fois, tu parles un peu en japonais parce que c'est rigolo, etc. Mm-mm. Mais là, t'étais obligé de t'exprimer avec la personne et la personne était. T'as senti comme elle s'est détendue la personne quand tu lui ai parlé en japonais? Mais oui, parce que si elle parle pas français et pas très bien anglais, t'as vu, ils ont des pancartes. Mais oui. Et donc ils doivent savoir quelle pancarte correspond à quoi et ils peuvent pas expliquer, tu vois. C'est ça. Ils peuvent pas expliquer leur travail, quoi. C'est ça. Et c'est super frustrant pour eux. Ouais. Et je pense que c'est super frustrant aussi pour eux de voir. Je suis en train de perdre ma voix, ça va être parfait pour la conférence. Tu veux que je parle?
pendant ma conférence. Ici, non, non. Bonjour, ici Cloto, je suis aujourd'hui la voix off de Jérémy. Attends, on va essayer de se synchroniser, vas-y. Oui, bonjour, ici Jérémy du Germiland. Je suis à la Japan Expo aujourd'hui et on va visiter des stands et aller manger des trucs japonais. N'hésitez pas à noter sur 20. Ça le fait le ou doublage, pas je sais pas si ça le fait ou quoi, mais... Et pourtant, c'est là qu'on a le moins de gens, c'est dommage. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça qui est dommage. L'illusion est parfaite, mais non. Trop fort. Mais non, putain. Et franchement, apparemment, ça a trop... Je suis tellement matrixée de t'avoir entendu parler japonais que j'ai entendu des gens marcher derrière moi en discutant et j'allais dire « Regarde, il y a d'autres Français !» Alors qu'on est en France, quoi. Je te jure, j'ai l'impression d'être téléportée au Japon, ça me fait trop bizarre, ça me rappelle tellement le... Oui, bah oui. Tellement oui, le voyage au Japon, de t'avoir entendu parler japonais comme ça. Oh, elles sont belles les assiettes là, les petits bols et tout. Ouais. Bonjour. Konnichiwa. C'est très très joli. Ah mais attends, c'est du... This is traditional way to repair broken. Oui, c'est kintsugi. Yeah, kintsugi. Ah, kintsugi. Ah. Yeah, like a broken like that. And using real gold. J'avais pas capté que c'était un... Every material is from natural sap, so it takes really long, like 2 or 3 months to finish. Wow. To repair. Ah, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que là, cette petite assiette a été cassée et elle a été réparée. Vous voyez le petit trait d'or qui est juste là, à l'aide d'une méthode de réparation à l'or qui s'appelle le kintsugi. Here is the repair part and fit with the original design. Ok. Ok. J'essaye de faire en sorte que ça se fonde dans le design, ouais. Dans le design et que ça se voit pas trop. Qu'on se rende pas compte de la réparation, quoi. C'est super mais beau. C'est pas si facile que ça à faire, hein. J'avais regardé. Je serais très curieux de faire ça un jour. Hein. Ça, ouais. Ça a l'air très très. Ah, il y a une carte. Super. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Là, la petite carte, elle est là. Hop. Tokyo. Okay. Ah, Instagram. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a le compte Instagram. N'hésitez pas à aller check. Juste là. Merci. Et regarde. Oui. Tu vois, il y a le... Ah oui, j'avais pas vu le matériel. Tu vois, j'imagine qu'il y a des petits cotons. D'accord, oui, il y a les coutons, il y a... Mais regarde, la dame, c'est ça qu'elle était en train de faire, en fait, je pense. D'accord, et là, tu vois, c'est réparé à partir de quelque chose qui est cassé comme ça, et hop, on refait, on ressoude les deux parties. Trop, trop beau. Trop, trop beau. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu. Coucou Arisu, salut. Et donc j'avais vu des vidéos de d'artisans traditionnels qui faisaient du kintsugi. Et ouais. En fait, c'est assez difficile parce que je crois qu'ils viennent d'abord appliquer, pas une colle, mais un produit qui permet de ressouder. Ouais. En fait, ils mettent des espèces de peintures paillettes d'or par-dessus, ouais. Tu vois, pour que ça tienne et tout. Enfin, c'est en plusieurs étapes, c'est assez long à faire. C'est pas, oui, c'est pas juste. C'est pas juste que tu mets de la colle dorée, quoi. Tu mets de la pâte dorée et hop, oui, ni clou ni vis. C'est et c'est réglé, quoi. C'est une méthode traditionnelle et vraiment, il y a une recréation de matière avec de l'or par-dessus, etc. Et il y a un côté très très symbolique là-dedans. Mais c'est très très beau. C'est très très beau. Il y a la dame qui est en train de le faire là, juste là à côté. Oui. Tu sais que c'est vraiment un truc que j'aimerais trop faire personnellement, mais aussi peut-être même en live, de montrer. Okay. De montrer. Comment on fait ça, quoi, en fait, hein. Wow, t'as vu les petits sacs, les sacs pour le riz, en fait. Ok. C'est trop bien. Ah, yes. Ah, le cercle, ok, le cercle. Ah oui, c'est tout, ok. Super. Ah, l'odeur. Ça sent la paille. Ah oui, ça sent l'herbe fraîche. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'est beau. C'est très très chouette. Ça va, Arisu? Ça va bien? T'arrives à lire ce qui est écrit? Ah bah c'est Wara ça. Wara-o-amu. This is our online shop. Online shop? Ok. Ah, Instagram. Instagram, yeah. Ah, ok. Mais du coup, t'arrives à lire? Oui, j'arrive à lire. Ça explique D'accord. Des choses.
que je ne saurais comprendre. Je ne vous traduis pas par souci de pudeur. Oui, parce que ce serait long aussi, mais... Je me posais la question du Instagram parce que, regarde, tu vois, c'est écrit « Atelier, vous pouvez essayer de tresser de la paille, faire comme de la vaisselle. » Je me demandais s'ils font ça, tu vois, je vois. En ligne. Ou... Ça marche, bon, l'heure qui visure. On va avancer vers le stand. Ouais. On va avancer. Je vois qu'il est midi et demi. Ouais. Ce serait bien que j'y sois peut-être à 5 minutes avant. Ouais. Et alors, par contre, je suis très très surpris parce que j'ai l'impression que l'année dernière, on était passé sur la zone artisanale comme ça, mais qu'il y avait peut-être une ou deux allées. Là, il y a carrément des rues, c'est numéroté par lettres. Ouais. Il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a même une estrade, il y a même une scène, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal essayé de développer. Vraiment, par rapport à l'année dernière, je suis très très surprise. Coucou Christelle. Très surprise. On a parlé avec elle jeudi. Ah, let's go. Ah, tu reconnais. Tu parles japonais? Ouais, Thibaut, je parle un peu japonais, ouais. Sur la chaîne, on fait des streams cuisine, stream IRL, hein, promenade, voyage, découverte. On est parti au Japon, on a fait Paris, la Japan Expo l'année dernière. La Belgique, les Pays-Bas. La Belgique, les Pays-Bas, la TwitchCon, la Bretagne, le Japon. Hein, on est parti un mois au Japon. Quelques streams en Italie aussi, ouais. Cet été, je vais rester plutôt sur la Côte d'Azur, mais du coup, il va y avoir des streams sur la Côte d'Azur, bien sûr, hein, sur Nice et les alentours de Nice aussi à Skip. Et après, on fait des streams cuisine. Enfin, je n'arrivais plus à la voir. Notamment cuisine japonaise. Cuisine japonaise, voilà. Et l'apprentissage japonais faisait partie de la prog de la chaîne jusqu'à la rentrée dernière. Ça ne saurait tarder à revenir. J'ai un peu envie de revenir sur le japonais. En ce moment, j'ai des vagues de retour. Faire des cours de japonais? Ouais. Ouais. Alors, mais là, c'est plus, la bouche. En plus, Thibaut part au Japon en décembre, donc bah, tu vas être obligé de remettre les cours de japonais parce qu'il va devoir apprendre, quoi. Bah, ok. Bah, pour Thibaut, je remettrai des cours de japonais, quoi. Voilà, obligé. Initiation, découverte. Le TikTok, l'Instagram, surtout. Ouais. Instagram, Twitter aussi. N'hésitez pas à soutenir. Soutien, ça passe aussi juste par un petit like, un petit coucou dans les autres réseaux. Et en ce moment, franchement, les amis, je tiens à vous dire un grand, grand merci parce que vous êtes très, très actifs sur Instagram en ce moment. Ça fait 3-4 semaines que sur Instagram, les stories sont super mis en avant. Je le vois. En fait, je vois la différence parce que depuis que il y a beaucoup plus d'interactions parce qu'on en a parlé, etc. Que vous likez plus les commentaires, que vous faites plus de commentaires, que vous faites plus de likes, etc. Ben en fait, je vois que l'algorithme d'Instagram nous met plus en avant. On a une découvrabilité qui augmente. Donc merci beaucoup. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vu. Hey, salut Ninja Alex, ça va bien? J'ai deux téléphones, pas de problème familial, j'ai tout raté. J'espère que ça va, toi de mon côté. On était sur le côté. Comment ça s'appelle? Diantre, je vais y arriver. Artisanat japonais. Ouais. J'arrivais pas. Et là on va retourner. Programme. On va sortir là. Ok. Comme ça on aura moins de bruit parce que là il y a beaucoup de bruit. Et on va reprendre la porte de tout à l'heure. Ok, c'est celle-là? Vas-y, on sort là. Ouais. Pardon, merci. J'attendais pas à ce qu'il recule d'un coup. Thibaut, merci pour ton sub. Let's go, merci beaucoup. Arigato. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, donc là, la suite du programme, après avoir fait un petit tour dans les stands d'artisanat, on va se diriger vers la scène, puisque donc Jérémy, il donne une conférence en compagnie de Thibaut. Oui, de Monsieur Thibaut, qui est un streamer français qui habite au Japon, qui fait des streams autour des jeux d'horreur, Phasmophobia notamment. Et il est venu du Japon pour participer à la Japan Expo. Et on va parler de la vie au Japon. Donc, ce sera l'occasion de lui poser des questions. Si dans le chat, d'ailleurs, vous avez des questions, posez-les-moi maintenant. Parce que moi, je n'aurai pas de retour du chat de la chaîne Jérémy. Je ne saurai pas. Mais si jamais vous avez des questions, ce sera l'occasion que je lui pose les questions. Parce que moi, je vais un peu le bombarder de questions. Puis je vais partager un petit peu mon ressenti, comment je vois le Japon sous l'œil d'une personne qui voyage, qui aime le Japon, qui fait du contenu autour du Japon, etc. Et ce sera l'occasion de discuter de ça.
Ça va être très sympa, ça va être très très chouette. Et de toute façon, Jérémy n'aura pas de retour du live. Jérémy n'aura pas de retour du live, mais moi je reste avec vous. Ouais. Moi j'aurai encore mon micro. Donc n'hésitez pas, bien sûr, ça va pas être un truc genre juste la conférence filmée et vous pouvez rien dire. N'hésitez pas, moi, vous pouvez me parler, vous pouvez me poser des questions. Oui. Moi je répondrai du mieux que je peux. Clotho vous fera des pranks, bien sûr. Voilà, on pourra faire des pranks à Jérémy pendant qu'il est sur scène pour le déconcentrer. donc tu vas donner une petite conférence et après la conférence, on fera un retour dans les allées de la Japan Expo. Tout à fait. Pour aller faire une balade. Petite balade. Une balade dans ce qu'on n'a pas encore vu, en fait. Voilà, c'est ça, on va... Moi, objectif après la conférence, quand même, aller voir le stand Nintendo. Oui. Alors, ce qui est cool, c'est que le stand Nintendo, il est juste à côté du stand Stream & Chill. Ah, let's go. Stream & Chill, c'est un stand où vous avez des streamers, des streameuses qui sont regroupés. C'est Space Kairu et Hughes qui sont à la tête de ça. Et voilà, donc là, on est en train d'arriver sur le stand. Regardez comme c'est joli, comme c'est bien décoré. Franchement, c'est le feu. Tu peux même essayer le baseball, c'est rigolo. Mais non. Où est-ce que tu peux essayer le baseball? Je sais pas, mais il va falloir... Ah, à la Japan Expo? À la Japan Expo, ouais. On se l'a dit, nous, on l'a essayé au Japon. On l'a essayé au Japon et je me suis... Il y a d'ailleurs un magnifique clip de ça, de Jérémy qui se prend la balle de baseball dans la main. En pleine main, il faisait froid. Je vais passer la caméra à Clotho maintenant. Ouais. Et je l'ai vu se fondre de douleur hors champ. J'avais les larmes aux yeux. Je chialais ma race. Et moi, j'étais là. Mal. Bon, ben, allez, maintenant, je vais faire du baseball avec vous. C'est ça. Et lui, je t'ai abandonné, quoi. Non, tu m'as passé le relais. Si, si, je t'ai abandonné. Regarde, regarde. Il y a Dark Hill qui nous cherche. On est là, Dark Hill. Ok, voilà. Là, c'est la scène. C'est là qu'on va être juste après avec Thibaut. Regardez-moi la scène sur laquelle il va y avoir Jérémy. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, là on est Hall 6, il y a un bar Oli, vous pouvez boire, vous pouvez vous poser. Et il y a les copains qui sont là et il y a Shea qui arrive. La prod qui te cherche. Ah, la prod, alors la prod me cherche. Donc, tu du veux coup, que je récupère le je stream vais, pendant ce temps-là? Je vais donner le stream à Clotho. Let's go, à moi l'antenne. Terrible. Tiens, je laisse la batterie. J'enlève mon micro quand même, tant qu'à faire. Ouais. Tu sais quoi, je vais même l'éteindre, comme ça on économise la batterie. Ok. Attends, et je leur dis... Dis leur au revoir, les pauvres. Au revoir. Voilà. Je vous le rends bientôt, vous inquiétez pas, c'est juste... Elle m'embarque là. Elle m'embarque. Je vais voir un dragon. Ah bon, voilà. Voilà. Bah du coup je me rends compte que en fait j'ai plus aucun moyen de communiquer avec Jérémy vu que j'ai son téléphone actuellement. Attendez. Il a oublié de me donner le routeur. Il est parti avec le routeur. Bon. Bah écoutez, pour l'instant ça tient, mais il est parti tellement vite. Bah, je vais rester là, en espérant que ça continue à capter. Voilà, bah bienvenue. Voilà, c'est moi. Non, ça va, pour l'instant, je bouge pas. Ça va couper. Non, vous inquiétez pas, on est des professionnels. Il doit pas être loin. Non, il est pas loin, mais je pense qu'il est en backstage ou quelque chose pour se préparer. Je pense qu'il est en backstage ou quelque chose pour se préparer. Maintenant, il faut meubler. T'inquiète, Rodiam, tu sais, je suis une streameuse expérimentée. J'ai l'habitude de meubler. Je peux faire des vannes, si vous voulez. Alors, ma meilleure vanne, c'est... Sauvez-moi. Envoyez-moi vos meilleures vannes, là, dans le chat, pour meubler. J'ai aucune vanne, là. Ben, en fait, le truc, c'est surtout que... Attendez, en plus, j'ai le micro de Jérémy dans la main. En fait, je voulais vous emmener visiter des trucs, mais il faudrait que je récupère... faudrait que je puisse récupérer le routeur, quoi. Très bien. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal que je puisse récupérer le routeur. Attendez, j'ai spotted Jérémy. Ah, j'aimerais trop vous le filmer, mais genre il est en train de faire ses réglages. Bon, attendez, je crois qu'il va revenir. Je crois qu'il va revenir.
le routeur. Ça va, t'as eu du réseau ou pas? Ouais, ça va. Et pourquoi t'es pas venu? Bah parce que j'étais occupé et tout, je voulais pas t'embêter. Ah ouais. Mais c'est bon, ça a pas coupé. Donne-moi mon micro. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai pas une... 1-2, ok. Il faut que je sois là, voilà. Attendez, j'ai une pas très bonne nouvelle à annoncer à Cloto et je reviens dans une seconde. Tu veux bien te mute s'il te plaît? Ah, je sais ce que c'est. Ah les bâtards, ils nous ont prank, regarde, c'est genre allez dis oui, oh la boulette et tout machin, lisez sur les lèvres les copains, what? Oh non mais vous avez capté là. Non, ils ont pas entendu, j'ai vérifié deux fois que les micros. Attends, fais voir. Mais toi tu m'as fait même douter. Non les micros ils étaient vite. Pourquoi ils disent allez dis oui? Ouais c'est ça. Et Christelle, merci pour les 5 subs là, incroyable. Incroyable. Regarde Cloto en PLS. Terrible. 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 Non, écoute. Mais en vrai, Attends, là on est démuté. Okay. Quel serait l'intérêt? Je sais pas, en tout cas je te le dis. Attends, je remute. Attendez, parce que là il y a une explication à faire. Il y a une négociation là. Ça me dérange pas. Hop bah, de retour. C'est bon, la négociation c'est est bon, finie. C'est bon, on a négocié. Darkil, il est chaud là. 2 ans, 137 jours. Il m'a dit, j'ai essayé de garder la place pour Cloto juste devant. Bah, du coup, non. Mais c'est pas grave, je me mettrai par terre, je m'en fous. Ouais, ou je vais te demander un siège pour toi, au moins, pour que tu puisses t'asseoir. Non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est une table ou un siège à poser, où je puisse poser ça, que ce soit stable, que j'ai pas besoin de le porter. Et comme ça, si jamais j'ai besoin de bouger, je peux... Je vais lui demander. Et cette fois, je te laisse le ouais, routeur. Laisse-moi le routeur. Se barrer avec le wifi, ça, c'est ma spécialité. Hein. T'as éteint ça? Il est mute. Il est mute? Non. C'est bon. Tu veux t'installer où, toi? Regarde, bah, là-bas. Devant, où il va y avoir des têtes de gens, quoi. Ouais, bah, en cas, on demande à Darkil s'il veut. Si je peux, si on peut avoir une petite table ou un petit siège de près de Darkil, là. Ouais. Bon, désolé, ça négocie. Hein. Vous m'entendez là? Non, je vous jure, il m'a demandé un truc, c'est hors de mon... C'est hors de mon champ de compétences. Il était là, allez. Je sais pas si vous entendiez pas du coup, mais... Alors t'as dit oui, on t'entend. T'entends, c'est toi la caméra woman. Oui, c'est moi la caméra woman, mais ça a toujours été prévu. Mais par contre, j'ai remis à rajouter du pas prévu, tu vois. C'est pas grave, une prochaine fois. Mais vous savez même pas de quoi il s'agit. Genre, vous avez vraiment entendu ou pas? On n'entendait pas, mais vous... Je comprends
comprends rien. Arrêtez d'être énigmatique comme ça, arrêtez de me prank comme ça. Vous êtes chiant, hein, c'est pas drôle. Et Jérémy, il est en train de négocier dur. Tu veux mettre où? Tu veux mettre là? Bah moi je m'en fous, c'est juste pour avoir une POV sympa pour... Attendez, là on a eu un plan boobs là. Quoi? J'étais en train de filmer mes boobs. Ah t'es d'accord, ah, t'es sur toi là. Bah c'est toi qui choisis, c'est ton live. Tu veux te mettre devant là comme ça? Devant, ouais, là où il y a Dark Hill, près de Dark Hill. Regarde, genre même là. Non, non, mais si on peut, je pose la caméra là, ça dérange pas? Hop, comme ça. Voilà, là on voit bien la scène. Vous voyez bien là, non? Non, non, ça va. Comme ça, là, on voit bien la scène. Ça va, vous voyez bien, là? Ce serait bien que Jérémy revienne. Je parle au chat, enfin, à moi-même et... Non, non, t'inquiète. On voit les deux fauteuils des conférenciers. Ça vous va ou pas? Les sièges sont un peu loin. Et là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce plan de professionnel. Ça vous va comme ça? Je parle à moi-même. Non, parce que je parle et il y a quelqu'un qui me dit comment. Je te laisse au sac. Ok. Je passe derrière. Donc du coup, par rapport à ce qu'on se disait... Je suis pas mute. Tu fais ce que tu veux, si tu veux monter, tu montes, si tu veux rester là, tu restes là. À tout moment, je te dis mute. Ok, si tu veux. Non, on est bien là. On est bien là, on est parfait, on est nickel. Ce que je te demanderais juste, c'est que c'est possible qu'à un moment, je me barre et je te laisse tout ça. Pour juste jeter un œil, t'as pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Mais c'est possible qu'à un moment, je me barre et... Quoi? Bah c'est juste que je vais laisser peut-être toutes les affaires là. C'est pratique d'avoir des gens de la commu. On embauche la commu. C'est bien non? Voilà. On nous voit à la télé. Attendez, on me voit? Attendez, on est où? Ah oui, c'est moi. Trop drôle. Ah, vous êtes en dessous du... C'est vrai que vous voyez à la télé. Vous pouvez me voir de dos. Ah ouais. Ah putain, c'est moi. Vous pouvez vous... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, trop cool. Bon, écoutez, comme ça, vous pouvez voir qu'on est bien installé. Et ce qui est cool, c'est que... Ce qui est cool, c'est que comme ça, je pose les affaires là. T'as une mission, ok? Si elle est réussie... Si elle est réussie, tu seras récompensé à la hauteur de ton mérite. Je négocierai dur. Mais ouais, si jamais... parce que je vais peut-être bouger, prendre des photos et tout. Bah du coup je te laisse les sacs. Non non mais vous inquiétez pas. D'un coup on va voir Cloto courir sur la scène. Non mais du coup vous avez entendu ce qu'il a dit Jérémy? Jérémy m'a dit, je sais pas si vous avez entendu, mais il m'a dit écoute, c'est possible qu'à tout moment, si j'ai besoin de toi, je te fais venir en mode normal, quoi. C'est pas mal là comme ça.
le chat. Le ? C'est donc ça, le stream hier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, il n'y a pas tout, mais... Ouais, mais ça fait bizarre, quand même, de voir les derrière du métier. Ouais. Donc, techniquement, ce qu'on voit, c'est juste ça. Bah ouais, je sais. C'est juste ça. C'est ça. T'as vu le nombre d'appareils Ouais, c'est ça. Plus ça, plus ça. Et je peux voir, j'imagine que dedans, il va y avoir 40 batteries externes. Ouais, il y a plein de trucs. Hein. En même temps, je vais te déprocher. Bon, je sais pas, on verra quand ils seront assis. J'aurais dit à la limite si tu dézoomes histoire qu'ils auraient trop proche. On verra quand ils seront assis, je peux dézoom, ouais. On se voit dans l'écran. Ah oui, ouais, on est là. Ouais, ouais, je vois. Comme ça, éventuellement, j'irai prendre des photos. Je sais pas, vous entendez Darkin sur le live ? Parce que du coup je suis en compagnie de Darkin. D'ailleurs je sais pas où il est le deuxième micro. Putain il est là. Oh putain mais merde mais attends. Non c'est bon, je crois que c'est bon. Écoute, hop. C'est bon ? Ah ouais on t'entend ouais. Attends. Coucou tout le monde ! Dis pas de dinguerie hein. Non, non. Je suis stream en stream. Je suis pas le même Darkin. Derrière la caméra et sur le stream, pas sur le chat. Regardez-le prendre possession des lieux. Oh putain, il est parti tellement vite. Merde, il m'a pas donné les objectifs et tout de l'appareil photo. C'est pas celui-là qu'il me faut. Donc pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Bienvenue. La conférence de Jérémy va commencer. C'est celui-là. Alors, découvrons si je sais changer. Ok, je crois que j'ai pété le matos de Jérémy. Minute 1, non, c'est bon. Non, non, ne l'embête pas. Bonjour la Japan Expo, salut tout le monde, comment ça va? Ça va, vous l'entendez bien? Comment ça va? On vous a demandé. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut là, merci. Ça va, vous entendez Jérémy? Bonjour tout le monde, salut Mr. Thibault, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bah ouais, bah on se rencontre, on s'est connus d'une manière très... Très rapide, ouais. À la base, c'est vrai que je venais à la Japan Expo pour faire une petite balade et découvrir pas mal de choses. Et on m'a proposé de venir faire une conférence avec toi sur la vie au Japon, sur le Japon, sur ce magnifique pays. Je pense qu'on est tous unis par cette même passion qui est là. Et on va profiter de ton expérience. Bah écoute, je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. On va en dire des conneries, hein, parce que on est un peu là pour ça aussi. Et toi, donc t'as d'habiter au Japon hein. Ouais, j'habite à Hiroshima depuis 2015. T'es à Hiroshima? Hiroshima même. Alors, juste pour le lore, c'est que Thibaut et moi, on s'est parlé sur Discord hier. Oui. On se connaissait pas du tout. Et du coup, on va découvrir pas mal de choses sur l'un et sur l'autre. Et je trouve ça juste génial parce qu'on est unis par la même passion. Exactement. La passion pour le Japon. Waouh, t'es passé en surbouffeur là. Ah bah, le Japon, ça me parle, ça me passionne. Ça va, vous entendez bien? Et Hiroshima, tu sais que je suis allé au Japon, je te l'ai dit, je suis allé au Japon en novembre dernier. Oui, tu m'as dit. Ouais. Et c'est la première fois que j'allais à Hiroshima. Ouais. Et ça a été une claque, vraiment. Ouais. Ça a été vraiment, de toutes les villes que j'ai vues au Japon, je m'attendais pas à ça du tout. Aussi à taille humaine, aussi accueillante, et très très loin des images qu'on a classiques de Hiroshima qu'on apprend à l'école. Hello, je suis en live, sur la chaîne de Jérémy. Qui est très historique, ouais, de ouais. Manière.
accueillez Alxios, ladies and gentlemen. Tu sais pourquoi je suis flou? C'est l'objectif qui va pas? T'es pas en focus manuel ou un truc comme ça? J'ai mis le grand objectif comme il m'a dit, mais... Non mais c'est le focus là qui est juste pas bon. Mais t'es en focus, Let's go, merci. Alxios qui carie, bien sûr. La première fois que je suis venu au Japon, j'ai fait exactement ça. Mais oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce que quand tu vas au Japon, c'est un projet. T'as pas forcément trop de temps, donc tu vas à l'essentiel, entre guillemets. Et c'est vrai que ça passe souvent à la trappe. C'est vrai que aller à l'essentiel, je veux dire, tu viens au Japon, tu t'es tapé 12 heures de vol, quand le vol est à l'heure, bien sûr, hein, parce que, bien sûr, allez, qui c'est qui a déjà eu un vol en retard, là, hein? Vous avez eu des vols en retard, là? Voilà. Les 2 heures de vol, 15 heures de vol de retard, voilà, hein, nous on connaît. Alors moi, à l'aller, là, quand je suis allé en novembre, on a eu 4h30 de retard, et au retour, ouais, attends. Et au retour, on arrive devant le pupitre, là, tu sais, pour passer la porte, etc., le billet, tout va bien, etc. Et là, je vois le commandant de bord arriver. Je me tourne vers ma pote, Cluto, qui est là, avec qui on fait les streams en IRL au Japon. Et je lui dis, là, c'est mort, on part pas. Elle fait, mais arrête, je lui dis, c'est une connerie. Le mec, il arrive, fait, ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We have a trouble with the plane. The plane is broken. So, ok, t'entends ça, tu fais ok, c'est d'accord. Serein, c'est serein. Voilà, on a décollé 26 heures plus tard. Oh là là. Voilà, c'est voilà, ça. Donc ouais, l'aller-retour. Mais on a eu une nuit en plus au Japon. C'est le point positif, il faut toujours voir le point positif. Ouais, c'était cool. On nous a envoyé dans un buffet italien, j'ai pas compris, avec la logique. Au Japon, mais on bouffe italien. Énormément de restaurants italiens au Japon. Oui. Énormément. Alors, et toi, tu manges italien au Japon? Un petit peu, de temps en temps. Mais par exemple, un truc que je comprends pas, dans les restaurants italiens, il n'y a pas très rarement des pâtes fraîches. C'est des spaghettis voilà, classiques que tu achètes au supermarché, alors que nous, en France, le mec qui te sert des spaghettis au supermarché, tu lui dis monsieur. Oui, tu te fous de ma gueule. Voilà. Mais ce qui me bute, c'est que au Japon, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais dans les restaurants, il y a des chefs qui préparent des ramen, oui, qui préparent des soba, qui préparent des udon, oui, et c'est fait maison, c'est fait sur ça place. Ça va, vous entendez? Alors, bien pas toutes les pâtes. Pas toutes les nouilles. Pas toutes les nouilles, mais quand même. Mais ça, un chef qui se respecte, il fait ça. Et c'est pas compliqué à faire, je veux dire. Non. Il y a des udon, j'en ai fait cette semaine. Tu fais de la pâte, tu marches avec les pieds, t'es content, et puis voilà. Ça, c'est génial, ça. C'est très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Cette culture du restaurant italien, vraiment, à la va-vite, un petit peu, ils essayent de tout donner, sauf sur les pâtes. Ok. Ça m'a choqué un peu au début. Amusant. S'il y a besoin, j'essaye de vous rapprocher le micro. Alors, franchement, quand je suis passé au Japon, je ne suis pas arrêté sur un... Vous me dites si vraiment c'est dur. Bon, quand on va au Japon, on a envie de manger du bon miam japonais. Oui. C'est quoi ton plat préféré, d'ailleurs? Alors, si tu commences à avancer sur la nourriture, ouais, tu as prévu un créneau de 3h30. Ouais, là, je pense pas. Il ne faut pas nous en vouloir. 3h30, c'est bon. J'ai l'air de dire ok, c'est... tout va bien. Alors, ce qui est hallucinant sur le Japon, c'est que c'est quand même une cuisine très répétée. Mais qui est très rigolo parce qu'on a vraiment juste 3-4 plats qui sont connus en Europe, les sushis, les ramen, les udon, tellement peu de choses, tellement très peu de choses, ça se comprend pas, ça s'exporte pas, alors que comme tu disais, c'est des choses assez faciles à faire, et au final c'est des choses qui s'échangent, il y a beaucoup de plats avec des mousses, c'est des choses qui changent, tu vois, les mousses sont pas vraiment différentes. Si je devais en choisir un, là il y aurait chaud, je dirais le tsukemen, tu sais ce que c'est. Tsukemen, ça vous... il y a quelqu'un, ça parle? Attends, j'arrive pas à m'en souvenir. Il faut surtout qu'il puisse entendre. Ouais. Tu vois? Alors que c'est plus... Ça me parle? Attends, c'est pas possible que je ne sache pas. Tu devais deviner c'est quoi un tsukemen. Déjà, il y a men. Tout ce qui a men, ça veut dire les nouilles. C'est pas des nouilles froides? C'est des nouilles froides que tu trempes dans la sauce? C'est des nouilles froides que tu trempes dans la sauce. Ok, ok. C'est simple à faire. C'est trop bien. Mais t'en veux jamais. Tu peux faire ça avec des soba, tu peux faire ça avec des pommes. Oui. Le tout, c'est d'avoir une bonne sauce, d'avoir un bon bouillon, soit un bouillon froid ou un bouillon chaud. Là, c'est un bouillon à base de sauce shoyu vachement salée avec beaucoup de sésame, tu rajoutes du piquant. Ok. Alors, ah, bien, let's go, Aurel. C'est que... Il donne faim, là. Ah non, mais arrive au restaurant, tu t'assois, tu choisis ton menu, donc là, c'est une grande assiette avec des menus froids, des menus inédits, puis c'est un peu l'oignon, ce qu'on aime bien appeler la cébette dans le sud aussi. Oui, voilà. Des tomates, du concombre et beaucoup de choux. Et le mec te dit à quel point tu veux que ça t'arrache la gueule. Et donc tu as une échelle de 0 à 100,
Et en fait, c'est le nombre de cuillères de piment qui va. Non, mais genre, c'est un jeu vidéo quoi, t'arrives et tu choisis ton niveau. Et une fois, je te raconte une anecdote comme ça à la volée. Donc je m'assois, je vois dessus quand même, c'est du fast food. Hein. L'enseigne orange là, comme ça là, Yoshinoya. Oui, en fait, ce que j'appelle du fast-food, c'est les restaurants comme les ramen, tout ça, c'est des restaurants où tu t'assois, tu commandes. C'est pas de la mauvaise nourriture. Bien séparer les deux, ça, ils sont très, tu vois. Ok. Et donc, je m'assois, je commande mon truc, je commence à manger, et là, je vois un mec qui arrive avec un sac à dos. Je le calcule pas, tu vois, il s'assoit à côté de moi, parce que, tu sais, c'est que des comptoirs. Parce que généralement, c'est des gens entre midi et deux, ils ont pas le temps, et tu vois. Ok. Le mec, il s'assoit, sort un bandana de son sac. Il enlève le chapeau. Il se le met comme ça, en mode Rambo autour du truc. Oh mon dieu! Il s'assoit, il ouvre le menu, il dit je veux le tsukemen. Le mec lui demande à quel point il veut ça pique. Il fait Herku! Niveau 100, ça veut dire 100 en japonais. Il est comme ça. Non mais attends, il a mis le bandana parce qu'il sait qu'il va transpirer. Il sait qu'il va transpirer. Et le mec il mange, et je vois, il galère. Le mec il joue sa vie à chaque bouchée quoi. Il est devenu rouge et tout. C'est quoi le projet là? Mais oui, mais c'est quoi? T'as quelque chose à prouver dans ta vie, qu'est-ce que... J'ai pas compris. Enfin, après, j'ai fini, je suis parti, parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend, tu vois, ils t'éjectent un petit peu. Ouais, t'avais envie de voir le spectacle. En vrai, t'as recommandé un truc pour pouvoir juste le voir. Hallucinant. C'est quoi ton plus haut niveau que t'es pris? 7. 7, ça pique, donc ça veut dire 7 cuillères de piment. 7 cuillères de... Non mais attends, il y a un truc quand même, c'est que... Ah mais la sauce était rouge, lui, hein. Mais c'est ça, mais si tu dis 100 cuillères de piment, c'est à un moment donné, tu manges... Il n'y a même plus de liant, quoi, je veux dire. Il n'y a même plus de sauce. Ça va, le chat. C'est du bouffe, du piment, quoi. C'est à la limite, mec, mange pas le piment, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Merde, attendez. Moi, je suis très sensible au piment. Ah, vous en tiendiez plus bien. C'est quelque chose que j'ai appris à... Je suis partie avec les micros. À goûter, on va dire. Et c'est vrai que le curry, par exemple, le curry japonais, oui. Je sais qu'il y a une enseigne de curry. Je vais le poser là. Koko Ichiban. Vous connaissez Koko Ichiban? Non, enseigne jaune, vous voyez partout, marqué Coco. C'est vrai que vous passez devant quand vous êtes dans les rues de Tokyo, Kyoto ou autre. On voit ça, on se dit, ah tiens, ça a l'air d'être une chaîne un peu nulle ou même un truc de cosmétique. On ne pourrait pas croire que c'est un truc de bouffe. Mais en fait, c'est une enseigne de curry qui est plutôt bien connue là, par les Japonais. Et on a la possibilité de choisir un curry plus ou moins épicé. Alors, oui, je ne sais pas s'ils font pareil. C'est de 0 à 20, je crois. C'est pas 0. Mais moi, on m'a dit, si tu veux prendre le niveau 20, c'est très épicé. Et on m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais moi je prenais un ou deux, et on m'a dit, si tu veux prendre le niveau 20, il faut que tu montres un ticket de caisse comme quoi tu as déjà mangé le niveau 19. Que tu prouves que tu peux gérer le niveau 20. C'est le niveau secret, quoi. C'est le niveau secret que tu développes. Tu veux la Master Sword, il faut que tu ailles chercher ça et que tu reviens que dessus. Mais ils sont très gamers sur la bouffe, les Japonais. Il y a énormément de concours de bouffe. À la télé, il y a des concours de bouffe, des nanas qui font 40-50 kilos, qui bouffent des 7-3 kilos. Donc ce qu'on voit dans Demon Slayer, des fois, quand il y a les concours de vas-y, je mange Pandora, c'est des choses vraiment qui existent. Ah oui, ça se fait. Je pourrais pas manger un truc comme ça. Mais moi, je pourrais. La bouffe, c'est un plaisir avant tout, quoi. Mais là, manger trop en quantité comme ça, c'est. Ils ont vraiment ce côté challenge sur la bouffe. Enfin, surtout, en vrai. C'est hallucinant. Hallucinant. Et toi, t'as déjà fait un concours comme ça? Non, parce que je peux pas rivaliser. Impossible. Le niveau il est trop haut là. Pour ceux qui nous rejoignent sur le live, il y a une petite conférence avec Jérémy. Et ensuite on repart dans les allées de la Japan Expo. On va aller notamment sur le stand Nintendo. C'est hallucinant. Ok. Là il y a la petite conférence de Jérémy qui va parler de la vie au Japon. Je pense que. Et ensuite on part dans les allées. Je pense que je passerai pas le niveau 2. Après ça va vite, tu vois. Moi en 10 ans j'étais pas du tout niveau 0, niveau rien. C'est juste du piquant qu'ils mettent ou c'est un mélange genre chichimi, togarashi? Non, c'est vraiment une sauce, une pâte de piment. Vraiment piment? Dans le tsukemen, c'est une pâte de piment qui est rajoutée en poulet, je sais pas. Okay. Qui c'est qui irait au-dessus du niveau 5 là? Niveau 5? Ouais. Ouais. Ouais, genre. La sauce. Ok, il y en a pas beaucoup, hein, il y en a juste quelque chose. T'as le bol qui commence à fondre, il y a l'autre qui dit je vais me tremper mes pâtes dedans. Niveau 10? Ouais, je peux tenter. Niveau 10? 7, ok, d'accord. Et toi, je t'ai pas demandé ta nourriture préférée du coup. Un truc qui m'a. Alors, préféré, la cuisine japonaise, alors, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je relate complètement sur le fait que en France, on ne connaît pas beaucoup la cuisine japonaise. Et il y a un truc que je me suis toujours interdit sur mes lives cuisine, c'est de faire des sushis. Ouais. Je ne veux pas faire de sushis, j'ai jamais fait de sushis, j'ai toujours fait autre chose.
des soutenés, des tambours. Non, non, moi je tiens à la ville, Ironor, ça va pas ou quoi? Je fais pas de niveau 20 moi. Par exemple, Hiroshima. Hein. Voilà. Ça vient d'Hiroshima. Même pas, je lève la main. Des potes, attention. Hein. Et juste pour terminer, qu'est-ce que j'aime le plus? Je dirais quelque chose qui m'a le plus marqué dans la cuisine japonaise, c'est les takoyaki. Je savais qu'il allait dire ça. Envoyez les takoyaki. Donc, takoyaki, c'est les petites boules. Envoyez les takoyaki dans le chat. Du cœur dedans. Avec du poule, ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est, si vous voyez pas ce que c'est une pâte à donuts, c'est un peu. C'est, ouais, c'est une espèce de pâte à. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a une boule, une sphère qui est complètement dure, mais à l'intérieur, c'est un peu fluide, un peu crémeux. Hein, c'est pas complètement cuit. On va avoir l'assaisonnement à l'intérieur. Une pluie de takoyaki. Avec, avec un peu d'algues. Aonori, ouais. Du gingembre, hein, le fameux Beni Shoga, et également on va avoir le taco. Et vous auriez répondu quoi? Le poulpe qui va être à l'intérieur. Et après il y a plein de sauces sur le dessus, on a la sauce okonomiyaki, takoyaki, pardon, et bien sûr de la mayonnaise et du katsuobushi. Voilà, c'est bon. J'ai là. J'ai une petite anecdote sur la mayonnaise. Vas-y, alors tu sais que je suis un très très grand fan de mayonnaise. Mais moi aussi. Ah ouais? L'anecdote va te surprendre. Ah, il se trouve des points communs les deux. Je pense que la mayonnaise. Japonais. À cause de la Chupi. À cause de la Chupi. Parce que Chupi a été la seule marque de mayonnaise pendant extrêmement longtemps au Japon. Ouais. Et beaucoup de gens pensent que c'est japonais. Et genre, quand il y a eu les premières importations et qu'on a ramené de la Amora au Japon, ils ont été choqués. Ils ont dit, waouh, non, non, ça c'est nouveau, ça vient d'être inventé. Je ne sais pas, à vrai dire, j'en ai quasiment jamais vu, je pense, dans un supermarché de la Amora. Et vraiment, j'ai demandé c'est à plusieurs personnes. C'est vrai, et plusieurs personnes ouais. Demandé. C'est vrai, parce que c'est pas japonais, non, non. Un truc que j'aime bien faire au Japon, tu vois, c'est déjà j'essaie un maximum de prendre des biens. Moi, j'habite pas au Japon, hein. Moi, j'habite à Nice, mais j'essaie d'aller régulièrement au Japon. Là, j'en reviens, j'étais tout le mois de novembre, et quelque chose que j'aime bien faire, c'est vivre le quotidien, même si tu y restes quelques jours, essaye de vivre au maximum, et du coup, d'aller dans les konbini, d'aller dans des petits endroits, dans des petits marchés, etc. pour essayer de trouver, des produits locaux. Et c'est vrai que la mayo, maintenant que tu me le dis, là j'étais en train de me rappeler ça, mais le stand mayo, t'as que la Kewpie qui est là. T'as que la Kewpie. C'est ça? Ouais, ouais. C'est vrai, il n'y a pas de... Le lobby, il est là. Et tu sais qu'en France, c'est ultra cher la Kewpie. Ouais, ils en vendent en France. Alors oui, ils en vendent en France. Le pot normal, je crois qu'il est à 250 yens, quelque chose comme ça. Ouais, bah, ouais. En France, il va être à 1200 yens, par exemple. Ouais, je te donne en yens pour faire une bonne comparaison, mais en France, nous, on va avoir du 9, 8 euros. Hein. Un pot de mayonnaise à 8 balles, qui c'est qui va l'acheter? Bien sûr, c'est avant que tu fais de la cuisine. Mais ça se fait très bien maison, quoi. Et oui, à la maison. Et du coup, pour en revenir sur les... Jermy, 100% Jermy va l'acheter, oui, le pot de mayonnaise à 9 balles, 100%. Okonomiyaki, c'est une espèce de galette. J'ai très envie de faire un okonomiyaki là-dessus. On ne pourrait pas le chauffer là, tu vois. Là. Hop. Ouais, en général, vous êtes sur un bar à teppanyaki. Hein. Vous avez le chef qui est là et il va venir mettre la pâte, rajouter du chou. Enfin, c'est une pâte qui est déjà prête avec du chou. Meilleur ami de mayonnaise. Exactement. Jermy, ça fait des potes, tous ses potes. Ça fait des potes de mayo. Non, c'est pas le beignet de poisson. Le beignet de poisson, c'est le taiyaki. Ouais. C'est un poisson avec à l'intérieur. Quand on se fait afficher quoi. J'ai même pas le droit de rigoler. De rouge. Là, c'est sucré. L'okonomiyaki, c'est salé. Hein. Okonomiyaki, ça veut dire littéralement faire griller ce qu'on aime. Hein. Donc, du coup, tu vas commencer par cette base de pâte à crêpes, si on peut ouais, dire. C'est une pâte à crêpes, oui. Les Bretons, excusez-moi. Avec du chou. Vous pouvez mettre du porc, vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez mettre d'autres. Il y a des pousses de soja. Des pousses de soja, voilà, merci, ça m'échappait. Le tout avec plein de sauce sur le dessus, voilà. Un peu de mayonnaise. Il y a une omelette qui est faite sur le côté qui est après mise sur effectivement. Le okonomiyaki. Après, le plus dur, c'est qu'après tu vois le retourner. Et après, tu mets. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est du poisson séché très dur. Katsuobushi. Flocon de bonite séché. Et il le râpe dessus, voilà. Ouais. Et après, bah, negi, tu vois. Negi, mayonnaise, etc. Mayonnaise. Il y a plusieurs manières de le faire, l'okonomiyaki, vous avez compris. Hein. Du coup, on parle de quelque chose qu'on fait griller ce qu'on aime. Hein. Vous aimez pas le fromage, vous pouvez mettre, ne pas mettre. Vous aimez les œufs, vous pouvez mettre que des œufs dedans, je ne sais pas. Et il y a une variante à Osaka, c'est celle dont on vient de parler. Et à Hiroshima, on fait les okonomiyaki d'une manière complètement différente, où on va monter ça en strates. Et ça va commencer par une petite couche légère crêpe. Ensuite, on va mettre le chou par-dessus, oui. On va laisser un petit peu cuire, on va rajouter les pousses de soja, on va rajouter un peu d'épices, etc., d'aonori et tout ça. On va retourner, à côté, on va
faire une petite omelette, on va retourner pour remettre le mettre sur le dessus, etc. Et ça va faire un peu pareil, hein, une espèce de belle galette un peu épaisse, mais avec des nouilles aussi à l'intérieur. Voilà, le plus important, c'est ça, c'est les nouilles qui vont être à l'intérieur de l'okonomiyaki. Et après, on se retrouvera même avec la même sauce okonomiyaki. Alors, ce qui est génial, c'est que je connais l'okonomiyaki, ça a été un des plats phares lors de mon premier passage au Japon. Sony, la conférence, je crois qu'elle finit à 13h30, quelque chose comme ça. Et là, quand j'y suis allé en novembre, c'est la première fois que j'ai mangé la version Hiroshima. Oui, j'ai remis dans son univers, mais tellement. J'ai remis totalement dans son univers là. Je suis allé à Okonomimura. Tu vois ? Ouais, le plus connu. Voilà, le plus connu. Qu'est-ce que c'est Okonomimura ? Mura, c'est le village, et le village des Okonomiyaki en fait. Vous prenez un immeuble. Et vous privatisez les trois étages d'un immeuble. Et à les trois étages, vous avez des stands d'okonomiyaki. Et chacun va avoir sa manière de faire l'okonomiyaki. Ça va être un peu différent. Voilà, on voit du sourire. Voilà, ça donne faim, ça donne envie. Voilà, c'est ça. On va y aller. On a envie d'y aller. Et je suis resté 3-4 jours à Hiroshima. J'essaie de voir mon anti-sèche si c'était ça. 3 jours, ok. Et 3 jours, on y allait deux fois. Non, mais en plus, je sers d'anti-sèche, quoi. Tu passes d'un étage à l'autre, t'as pas la même chose, t'as pas la même chose. T'as des okonomiyaki classiques, on a au udon, au soba, j'en ai vu à la crème, au gratin. Udon ? Ouais, udon, ça se fait, c'est excellent. Ok. Plus épais, j'en ai vu au gratin. Je prends des notes pour mon prochain live cuisine. On a au fruit de mer, on a à tout. Oui, j'ai vu qu'ils faisaient au fruit de mer au gratin ? Ouais, au gratin. J'ai entendu au gratin ? C'est ça qui est bien avec les cuisines. Et au gratin de quoi ? Prennent un plat de base, que ce soit le okonomiyaki, le ramen, le riz, ils font des variantes, 200 variantes différentes. Donc t'as jamais l'impression de manger la même chose, malgré le fait que tu manges le même plat en fait. Tu t'ennuies jamais au Japon de la nourriture japonaise ? Non, jamais. On est loin de ce qu'on voit ici en France où on a des ramen et des sushis qui se battent en duel et on se dit la cuisine japonaise. Et les yakitori aussi. Oui, les yakitori, ça n'a rien à voir au Japon. Non, rien à voir. Au Japon, vous commandez des yakitori, en fait, vous n'allez pas dire je veux un yakitori de poulet. En fait, on va vous demander c'est quoi que tu veux dans le poulet. Est-ce que tu veux la cuisse ? Est-ce que tu veux la peau ? Tu veux le blanc, est-ce que c'est le cartilage aussi hein, même ça se mange. Il le paiera en mochi glacé, tellement. Les abats, non. Juste après la conférence, on va aller faire un tour dans les stands. Laissez-les en musique, s'il vous plaît. Au secours. Ah, mais oui, ils prennent beaucoup d'importance au fait de pouvoir choisir la partie de la viande en fonction du gras. Après, la façon dont ils cuisent, plus c'est gras, plus c'est cher, mais plus ça fond en bouche. Ouais, j'ai un souvenir de mauvaise traduction sur une carte japonaise où on a commandé un yakitori et je sais toujours pas ce que j'ai mangé, mais dans la bouche ça croustillait beaucoup et c'était un petit peu dur. Ah oui, ils aiment bien vivre des fois. Ouais, là c'était. J'ai fait au secours. Bon, en plus on était en stream donc tu vois, Ouais, c'est très très bon. Est-ce que tu veux, j'ai une anecdote sur ça moi. Une anecdote sur Vas-y, raconte. J'étais allé au sushi avec ma femme et elle m'a dit, bah tiens, tu devrais essayer ça. J'ai plus le nom là, tu vois, en tête. Il y a un truc, donc il y a le riz qui arrive avec le nori autour, il y a un truc blanc sur un bout visqueux. Ouais, mais qu'est-ce que ouais, je crois que tu sais, t'as compris. Je commence à manger. J'ai oublié le nom. Ouais, moi aussi. J'ai oublié le nom. C'est bizarre. Je dis, mais c'est quoi ? Elle me dit, bah, c'est les parties intimes du poisson que tu viens de manger. Voilà. Ah putain, j'ai le nom sur le papier. J'ai oublié le nom, moi aussi. Shirako. Non, c'est pas du Shirako. C'est peu. Oui. Shirako. Oui, oui, il y a le Shirako. Cherchez Shirako. Ouais, c'est vrai, au secours. Un moment enrichissant. Mais ouais, mais au Japon, ils ont énormément. Il y a toujours le goût, ils essayent toujours de varier, mais la texture est ultra importante au Japon. Et il y en a qui prennent leur kiff à prendre des trucs qui craquent, des trucs gluants, des trucs tramouels. Je fais vachement attention à ça. Tu le vois aussi dans la manière de préparer des légumes. Oui. Des légumes aussi simples que comme une aubergine par exemple. Tu vois que le chef va prendre un temps monumental à bien quadriller l'aubergine avec son couteau pour que la sauce rentre jusqu'à l'intérieur de l'aubergine. Qu'elle cuise de cette manière ou d'une autre. Et on va nous servir un plat. La vraie cuisine japonaise, c'est ça. C'est, on va nous servir. On a dévié complètement. On est parti de la vie au Japon pour finir sur la cuisine au Japon. Au final, la vie au Japon, c'est un peu la cuisine aussi. Ah, la bouffe, on est d'accord. Ah, voilà, ok. Et au final, on t'amène à un bol où tu as juste une aubergine et un fond de sauce. Et tu goûtes ça et tu te prends la claque monumentale de ta vie. Parce que le mec a passé une heure et demie à faire ton aubergine, il a fini de la griller au chalumeau, il a mis tout son amour. Il a mis tout son amour de lui. Moi j'ai un souvenir comme ça où un jour j'ai demandé une mangue. J'ai demandé de la mangue au dessert, marqué mangue, je dis ok. Il m'a emmené une mangue. Une mangue, demi-mangue. J'ai
oh bah c'est une mangue quoi, j'ai vu ce que je voulais. J'ai goûté la mangue, j'ai dit c'est pas possible, elle a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a cette mangue? Je te jure, ça date. Ça, ce souvenir a au moins 15 ans. Il faut que ça t'ait marqué. Mais oui, mais ça m'a marqué de ouf et j'ai encore ce souvenir et j'ai jamais mangé une autre mangue comme celle-là de toute ma vie. Elle était shiny, je sais pas, tu sais, elle était. On dit souvent que la cuisine française c'est basé beaucoup sur les sauces, je crois que ça fait longtemps que ça. La cuisine japonaise, le gras. Le team beurre, team huile, hein, voilà. Ouais. Nous c'est plus huile d'olive. Et au Japon ils sont vachement très produits premiers, plus de transformation, mais le produit premier d'extrême qualité. On le crée de la meilleure façon possible, on essaye d'ajouter peut-être le moins d'artifice possible, tu vois. Ok. Et comme ça, ça a l'air de rien comme ta mangue, mais quand tu manges, et tu prends une claque. Et ils le font avec tout, c'est incroyable. Tu me fais remonter des émotions de ouf là, tu vois. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Disais, les Japonais ils prennent en compte l'émotion dans la nourriture. Je me vois encore en train de manger mon okonomiyaki et. En fait, ce qui est génial, c'est qu'ils nous laissent les sauces à disposition, tu mets la sauce que tu veux et tout quoi. Je me vois encore presser le truc de mayonnaise, envoyer ce que tu veux. Une petite variation, vous êtes prêts? Osaka, bah, un petit peu tout simplement. Osaka, vous n'avez pas les nouilles, hein, vous avez compris. C'est, tout est monté d'un coup en fait, hein. Tout est mélangé en une pâte, c'est un mixé, ouais. Alors nous, à Hiroshima, on appelle ça du vomi. Ouais, alors je sais qu'il y a une grosse rivalité. Il y a une très grosse rivalité. C'est un peu comme l'histoire du pain au chocolat chocolatine, hein, voilà. Et j'ai un pote qui habite à Hiroshima et qui effectivement ne jure que par ça et qui a été ravi, dédicace à lui d'ailleurs. Le okonomiyaki de Hiroshima, ben en fait c'est vraiment mon préféré. Ça surprend personne. Voilà, ouais. Et Hiroshima, t'as toujours vécu là-bas? En fait, la première année où je suis allé au Japon en 2015, j'ai fait le tour du Japon en vélo. What the fuck? Ouais, je sais. Je ne demande pas pourquoi. En vélo? En vélo. Shimanami Kaido, tu l'as fait? Ouais. Ah, c'est mon rêve de faire ça. Je suis parti de Nagoya. Okay. Je suis monté au-dessus. La préfecture de Gifu, j'ai fait toute la côte. Takayama, etc. Ouais, toute la côte jusqu'à Nagasaki et je suis remonté sur la côte inverse, la mer intérieure. Ok, donc t'es redescendu par Tokyo. Et je suis pas allé jusqu'à Tokyo, je lui tourne et j'ai fait tout le grand. Ok, d'accord, ok. En fait, c'est pas une conférence sur le Japon, c'est Jeremy se fait un ami. Ouais, c'est ça, Nagasaki tout en bas. Regardez, c'est mignon. Ouais. On dirait l'entrée à la maternelle. Jeremy s'est fait un nouveau copain. Ouais, combien de temps t'as fait ça? On a mis 4 mois. 4 mois, mais on prenait notre temps. Quand on arrivait dans une ville, on essayait de s'imprégner un peu de la ville, de visiter les châteaux. Il y a énormément de châteaux au Japon, donc chaque château est différent. On essayait toujours de visiter le château. Alors, il y a des châteaux en haut des montagnes, quand tu viens tout à fait 70 bornes en vélo. OMG, merci beaucoup, Johan. Merci infiniment, Johan, pour le raid. Merci beaucoup. On est en direct de la Japan Expo. Attends, je t'envoie. Les modos, vous pouvez faire le shout-out? Attendez, je vais essayer de le faire. Prudemment. Oui. Parfois trop, c'est un peu énervant. Il roule lentement. Merci beaucoup, Johan, pour le raid. Merci infiniment. Ici, Cloto en train de filmer Jeremy qui est sur scène. Qui les tient, les 80? Et Jeremy qui est en train de faire une conférence à la Japan Expo. Non, c'est non. D'accord. Hein. Et vous êtes sur la chaîne de Jeremy, hein, qui est sur scène là à droite. Il est en pleine conférence et après, on va aller faire une balade dans les allées de la Japan Expo. Oui. Donc, voilà, oui. Ça m'apprendra. La prochaine fois, tu prends une assistance électrique, c'est ouais, ça que voilà. Tu es en train de dire. Ouais, donc, ça serait beaucoup au Japon. Et donc, la route, facile. Le temps était assez bon. Il y a apparemment un stand Nintendo qui vient d'Osaka. On va essayer d'aller piquer du loot pour faire des giveaways dans le chat. Les combinis ouverts 24-24. Ça, c'est le clutch. Parfait. Quand même. Non, mais le combini, vous voyez ce que c'est un combini? Un combini, c'est pour Convenience Store. C'est un magasin, c'est une supérette ouvert 24h. Normalement, le thème de la conférence, c'est la vie au Japon. Du coin, c'est la, je pense qu'il y en a encore pour un petit 10-15 minutes de conférence. Ouais. Et après, on va aller faire un tour dans les allées de la Japan Expo et essayer de vous faire gagner des trucs. On va essayer de gagner du loot. Merci beaucoup pour le raid. Installez-vous. Normalement, le thème, c'est la vie au Japon, mais là, on est plutôt sur... Jeremy parle de bouffe, comme d'hab, et il se fait des potes sur scène. T'es arrivé de dormir dehors? Ah bah, plein fois, dormir sur... Je vous laisse écouter, c'est assez rigolo. Ah oui, mais justement, j'allais te demander, à quelle période t'as fait ça? Alors, déjà, je m'étais pas renseigné sur les montagnes, j'ai choisi la meilleure période pour le faire, parce que je l'ai fait de novembre au mois de mars. Donc, il y a
évidemment. Moins 8000. Voilà, voilà. Donc, ouais. Si vous connaissez pas la chaîne de Jérémy, il est streamer IRL et streamer cuisine. Il fait beaucoup de voyages. Et il est sur scène pour parler de la vie au Japon parce qu'on revient de. Il nous a sauvé la vie. Et quand je te dis sauvé la vie, de un mois au Japon en fin d'année dernière en stream IRL là-bas. Les gens ne t'accueillent pas. N'hésitez pas à follow si vous aimez les stream IRL. Les bains chauds. Et il est expert Japon si vous avez des questions à lui poser. Pour te reposer, pour te ressourcer. Ça nous a vraiment sauvé la vie. Ça te permet de garder le moral et surtout l'hygiène. Quand tu fais des longs... Merci beaucoup Maître Phoenix pour le follow. Jérémy qui est sur scène à droite, là il fait des stream IRL, on a été au Japon, en Bretagne, en Belgique, Pays-Bas. C'est pas une source volcanique, hein. C'est l'eau du bain quoi, la maison. Mais c'est chaud, hein. C'est 40-41 degrés le bain, pour le tenir. Et après t'as les vrais qui sont vraiment aucunement modifiés. Et tu rentres, t'as des bains à 38, des bains à 40. Et c'est assez 40, intéressant, ils sont en train de parler de comment est la vie au Japon. Je vous laisse écouter, si vous aimez le Japon, vous allez vous régaler. Au niveau de la qualité de l'eau, J'ai fait un onsen d'une vraie source, hein. Un vrai onsen, c'est ça, c'est une source qui vient. Le mot source est très appréciable, c'est ça. Ça vient de la montagne directement. C'est pas modifié. C'est ni plus ni moins qu'une rivière où on s'est dit, vas-y, on va faire un trou là, et on va attendre que l'eau monte. Que la rivière est à 40 degrés. Voilà, sauf la rivière est à 40 degrés. Et après, t'as juste l'eau du robinet qui est chauffée. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est public aussi, tu peux y accéder, c'est cher. Les Sento, c'est public. Alors, ça dépend. Après, si l'eau est chauffée artificiellement, c'est moins cher. Ouais. L'eau est naturelle. Généralement, c'est des montagnes, c'est un peu plus cher. Mais comme c'est en dehors des villes, dans les montagnes, ils ne montent pas non plus pour le prix. Mais après, tu payes surtout le visage. Parce qu'il y a beaucoup de onsen avec des rotten de l'eau. C'est les onsen en extérieur et donc nous on était en hiver, donc je te laisse imaginer, on est comme ça dans une eau à 40 degrés. On la a petite serviette sur la tête. Ouais, on a la neige qui nous tombe dessus avec les montagnes enneigées. Et là t'es là, mais donc, attends, je m'y vois là, vas-y, voilà. Continue là. Et t'as la fumée qui sort, entre en collision avec la neige, t'es bien, reposé. Genre tu vois le flocon de neige qui descend, la fumée qui l'attaque. Exactement. Et le flocon de neige qui fond en l'air. Il n'y a que toi. Putain, c'est poétique ce qu'on est en train de faire là. Il n'y a que toi et ton corps tout nu. Parce qu'évidemment c'est 100% tout nu. Oui, alors voilà. Non mais attends, parce que là il y a des anecdotes de fou. Il y a des anecdotes de dingue. Et puis là t'es là, et puis là tu réalises que bah il faut que tu partes et que t'as 80 bornes à faire encore sous la neige. Ah non mais tu dors là. Alors, mon premier contact avec un onsen, ça t'intéresse? Allez, vas-y, fais-moi. Parce que moi, j'en ai un bon aussi. J'étais dans un ryokan. Hôtel japonais. Un hôtel japonais. Hôtel traditionnel, hein, c'est pas le Formule 1, le Lapa Hotel, etc. Chambre en tatami. Chambre en tatami, exactement, et tout. Et il y a un monsieur qui passe dans ma chambre et qui m'explique le fonctionnement de l'hôtel. Vous amène le petit déj à telle heure, etc. et tout quoi. L'hôtel mais très carré, hein. Ouais, c'est très carré, c'est très codifié, etc. Et il me parle des onsen. Et à un moment donné, je lui pose une question, je dis, pour les vêtements des onsen, ça se passe comment, il m'a regardé, il l'a pas compris. La question était tellement luminaire pour lui qu'il m'a laissé en vous quoi. Il m'a fait. Et j'ai vu qu'il a bugué dans son cerveau. Et dans ma tête, j'ai fait, ok Jérémy, il va falloir vraiment y aller à poil. Ah, oui, ah, c'est le moment là. C'est, ouais, voilà. Et en fait, c'est très très bien aménagé. Il n'y a aucune pudeur, je veux dire, il n'y a aucune pudeur dans la nudité. Et il y a toujours après, la petite serviette. Après, les lyokans, tu peux les privatiser, les onsen. Tu peux y aller tout seul. Vous entendez mieux là? J'ai rapproché le micro. Mais il faut un certain standing. C'est plus cher. Parleur, est-ce que vous entendez mieux? C'est bizarre. La première fois, ça fait très bizarre. Cette sensation de se baigner dans un bain où on n'a aucun vêtement sur soi. Ouais. Alors, juste avant, parce que peut-être les gens se disent c'est un peu dégueulasse, tout le monde y va à poil, dans le bain et tout. Il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, si vous ne savez pas, c'est qu'il faut se doucher et se laver avant d'aller dans les onsen et dans les bains. Oui. Donc, il passe bien 15-20 minutes, et moi j'ai vu des onsen où les mecs ils ont des gratte-pattes et ils s'enlèvent tout le peau morte, les cheveux ils grattent tout. Tu rentres dans le bain, t'es clean. Et c'est ça que j'apprécie énormément dans les onsen. Quand j'en fais un, c'est de prendre ce moment de... Génial. Là, dites-moi s'il y a un souci sur le stream. Alors, ce qui est trop bien, c'est que les douches au Japon, elles sont au niveau de la hauteur là où je suis, en fait. Tout simplement, c'est que on se douche assis. Oui, on se douche assis. Il y a le petit tabouret et tout. Une petite bassine et tu te laves avec la bassine. Et je trouve ça juste génial. Et t'as tout à portée de main, tout là, et
tu passes ton temps, le coup de la bassine, moi je trouve le concept de la bassine génial. Tu te laves bien avec l'eau chaude, t'as la bassine un peu fraîche, tu la mets sur la tronche. C'est vraiment la sensation est dingue. Et quand tu vas dans le Haut-de-Seine, tu te poses dedans et tout, quoi, tu. Bah, tu reviens. Ah, tu fais une petite infusion de ton corps, t'es bien. Ça, je te dis que ça nous a sauvé la vie. Enfin, les courbatures, la fatigue, mais même le mental. Parce que quand tu passes 3 jours à dormir. Les cloques aux pieds. Les cloques aux pieds, quand tu passes 3 jours à dormir à 5 degrés, le mental il commence à prendre, tu vois. Ouais, ah ouais, ouais, bah, le mental il a bien pris. Là, le dernier voyage que j'ai fait au Japon, c'était cloques aux pieds parti. Voilà, j'avais acheté des baskets spéciales. Hein. Je me suis dit, vas-y, je prends ça parce que je sais que ça va être nickel, ça va être parfait. Les trucs sont imperméables, je vais pas prendre l'eau, etc. Tu parles, je me suis pris ces cloques. Kyoto, pire ville du monde pour marcher, bien sûr. Tu prends la map, tu te dis, ah bah ça c'est juste à côté sur la carte. Tu marches une demi-heure, tu regardes, tu fais, pourquoi j'ai pas bougé. La distance est monumentale. La taille des villes, on se rend pas compte. Et la taille des villes, Kyoto n'est pas une ville à taille humaine. Ouais. Si tu ne peux pas marcher dans cette ville, c'est pas possible. Tokyo, c'est faisable. Tokyo, je trouve que c'est très faisable quand tu es dans l'hypercentre. Tu te fais un Shinjuku jusqu'à Roppongi, par exemple, à environ 5-6 km, je crois, que je trouve ça. Ça se fait large, ça se fait large. Mais par contre, les cloques, et oui, les onsen, ça change tout. Mais quand j'avais pas de onsen, je me faisais un bain chaud, je me mettais mes pieds, je pleurais. Franchement, je mettais les pieds dedans, mais c'est horrible. Mais vraiment, la culture du bain au Japon, c'est quelque chose que je comprends parce que ça fait un bien fou. Tu en fais toujours Oui, j'en fais toujours de temps en temps. Mais toi, pour rebondir sur la culture du bain, j'ai une petite anecdote, moi, sur mon premier onsen. Première fois qu'on se fait inviter chez un habitant, on avait tapé une semaine, tu vois, sans avoir dormi chez quelqu'un, à dormir dehors. Donc quelqu'un nous a... Parce qu'on avait des remorques derrière notre vélo, tu vois. On avait écrit en japonais. Nous sommes deux Français qui font le tour du Japon en vélo. Si vous avez de la place, un canapé, un tatami, quand tu dors dehors, tu dors partout. Klaxonnez-nous, s'il vous plaît, arrêtez-nous. Voilà, vous nous arrêtez pour nous parler. Et puis, on vient chez vous avec plaisir, tu vois, juste pour une soirée. Et donc, on y va. Et le mec, il nous installe et tout. Et puis il y avait le mec, ses enfants, sa femme et tout. Et puis on se connaissait absolument pas. Il a dit, bon bah, on va au Seine. Et donc là, tu te retrouves, première expérience, à te dévoiler avec toute la famille que tu viens de rencontrer. Ouais. À te mettre dans le Seine. Et c'est quoi, c'est spécial. Salut, ça va? Ouais, ça va. On y va Donc, c'est vraiment dans la culture depuis le coup. Tu vois. Et c'est incroyable. Mais c'est un accueil qui est juste incroyable ce que tu racontes parce que. Tu arrives dans une famille et on te propose. Un honneur. C'est clair. On te propose de te relaxer, de te détendre, de passer un moment privilégié. Intime. Et ça ouf, en fait. J'ai trouvé ça ouf. Mais toutes les rencontres que j'ai faites au Japon étaient comme ça. Il y a des gens qui sont un peu métiers normal, tout ça. Mais dès qu'un temps t'invite, ils se donnaient à fond. À fond, mais vraiment à la japonaise à fond. Je veux que tu passes le meilleur moment de ta vie chez moi. Dans la mesure de mes capacités. Tu as fait ce tour du Japon en vélo au début où tu es arrivé au Japon et à ce moment-là, la langue japonaise, tu arrives à la parler Alors, absolument pas. Moi, je suis un très mauvais élève. D'accord. Et j'ai que deux. Et mon collègue avait un master en japonais, donc il parlait très bien japonais. Qui est le clutch, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pas ouvert la bouche pendant 4 ans quasiment. D'accord. Mais j'écoutais. L'oreille, c'est très important. Et puis après, tu commences à entendre des mots, à bafouiller. Quand tu es immergé dans un pays où c'est pas ta langue maternelle, de toute façon tu le vois direct, hein, tu as un petit niveau d'anglais, tu vas en Angleterre, tu passes 15 jours, 3 semaines là-bas, tu viens à gagner ta step-up. Le Japon, c'est pareil, quand on y est allé, voilà, j'ai passé un mois là-bas, en revenant, je me suis dit, putain, j'ai plus appris du japonais. En plus, le japonais, c'est beaucoup d'expressions, beaucoup d'onomatopées. Ça, c'est pas forcément le mot qui est important, c'est la façon de le dire souvent. Donc ça, tu à l'oreille quand l'intonation, l'intonation, tu le chopes très très vite. Ouais, tu peux arriver à communiquer sans utiliser vraiment énormément de vocabulaire. C'est bien d'avoir un petit peu de japonais, je pense, quand tu vas au Japon parce que. Et je pense aussi. Je ne fais pas comme moi, s'il vous plaît. Je vois. Ne fais pas le tour du Japon en vélo sans parler japonais. Bon après-midi, à plus tard. Tu peux le refaire ça un jour, tour de vélo, je t'ai déjà dit, vas-y, j'y retourne. En vrai, si j'arrive à trouver des sponsors et de le faire en live, pourquoi pas. Et là, j'étais tout seul, j'étais même pas en live, je ne créais pas de contenu, rien du tout, pas sponsor, c'est vraiment un délire. Si tu trouves tout ça, tu m'appelles, je ferai un kilomètre avec toi. Un kilomètre, c'est tout. Ouais, parce qu'après on va s'arrêter, parce qu'il y a un restaurant, puis il y a Onsen, et puis il y a voilà. Le tour du Japon, 2 ans et demi pour le coup.
Mais c'est vrai, pour en revenir à la langue japonaise, là, le dernier voyage que j'ai fait, mon niveau de japonais était nettement plus avancé que les fois précédentes. Mais tu vois les gens à quel point ils ont moins la crainte de ne pas être compris, parce que c'est vrai que la présence de l'anglais est nettement moins marquée que dans d'autres pays. Ah oui, oui, moi, ça m'est arrivé d'aller dans des enseignes internationales en plein Tokyo et de vous demander à quelqu'un, excusez-moi, vous parlez anglais, et non, pas anglais, je parle que japonais, tu vois. Et là où ça m'a le plus surpris la dernière fois, c'était dans les taxis. Les taxis, mais les gens, mais les conducteurs des taxis parlent de ouf. Et à partir du moment où ils capent que tu parles un peu japonais, que tu as moyen de répondre, machin, mais je me souviens, un taxi à Kobe, c'était très très drôle parce que je lui ai dit, je voulais aller à la station de train, Eki, on dit, Eki, Kobe, Eki. Eki pour la gare de Kobe. Et je sais pas pourquoi je m'étais matrixé à dire Osaka systématiquement. Je rentre dans le taxi et je dis Osaka Eki, on est la chance. Et il me fait Osaka. Ah ouais. Et là je fais oh non, Kobe, putain, on rentre pas à la course là parce que là il s'est dit c'est bon, là j'ai fait ma semaine, j'ai fait mon chiffre, on y va là. Et du coup ça a lancé la conversation là-dessus et. Ça commence souvent par un Nihongo, Josebes, voilà, on vous remercie. On prend ça un peu à la caricature des fois, à la rigolade des gens japonais qui utilisent le fameux Jozo quand on parle japonais. Jozo, ça veut dire vous êtes doué, vous êtes fort, vous parlez bien japonais. Alors que tu viens de dire bonjour. Ouais, c'est marrant, moi on m'a jamais dit ça. Mais je vois ça comme quelqu'un qui est très reconnaissant de voir une personne qui fait l'effort de parler, qui s'intéresse. Et je vois que dans les discussions, dans les rapports, il y a un peu plus de. Il y a moins de stress. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance, tout à fait. Et c'est une bienveillance qui est très facilement ressentie. C'est transmissible. Et puis, même toi, tu vois, moi, ça m'est arrivé de revenir en France, de dire bonjour à des gens. En disant merci, je fais toujours comme ça. Ouais, il y a vraiment des habitudes. C'est un réflexe, ça. Ouais, que tu choques ultra rapidement sans faire exprès. On me dit même encore là, alors que ça fait quelques mois que je suis rentré du Japon, des collègues de travail me disent mais Jérémy, pourquoi tu te penches à chaque fois quand tu dis bonjour, quand tu dis merci? C'est devenu un réflexe en fait. Même si j'ai jamais vécu pendant des années au Japon, mais c'est vrai que. Naturel. C'est naturel. Enfin, moi, je suis très réceptif à ça. Et le Japon, c'est quelque chose qui est chez moi, dans ma culture personnelle. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours été passionné par le Japon. Pas le circuit, entre guillemets, classique, genre manga, animé, voilà, sushi, etc. Mais vraiment par le côté tradition, le côté cuisine, mais cuisine qui va au-delà de simple. Je suis la pire caméraman, j'arrive pas à cadrer. Et la langue japonaise, c'est pas mal, non? Je me revois encore au lycée. Devant mes cours de mécanique qui m'endormait au possible et sur une feuille en train de griffonner mon tableau des canards, vas-y let's go, je vais y arriver à le faire en entier, etc. C'était trop trop bien, c'est des très beaux souvenirs. J'ai une petite période difficile moi, il fallait apprendre les katakana, ouais. Tout ça, mais moi je suis très mauvais élève sur les langues. Et je voulais, de toute façon quand tu veux lire, t'es obligé d'apprendre. Et les tableaux, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que les katakana, c'est une fois que tu les as maîtrisés, c'est que tu peux lire beaucoup de choses, ouais. Et c'est souvent des mots, des sublangués. Oui. Il y a beaucoup de mots anglais dans la langue japonaise. Oui, beaucoup de mots anglais. Et des fois des mots français aussi. Oui, oui. Et du coup tu peux comprendre facilement. Et... Non, tu peux comprendre facilement, ça dépend. Ça va, ça vous plaît la conférence sur un mot français. Ah, putain, vas-y. Ça fait bizarre de voir Jérémy sur scène. Dans un pub, en train de voir un pub, il y a quelqu'un qui commence à parler avec moi. Ça c'est quelque chose qui est sympa avec les japonais, c'est que même s'ils parlent pas anglais. Notre Jérémy est dans la cour des grands. Et en tout cas pour moi, il venait souvent nerveux. Notre Jérémy prend son envol. Avec son japonais, le joli français. Et là, il commence à me dire le bulu. Comment il t'a dit? Le bulu. Je le regarde, je fais. Ok, je crois que j'ai compris. Il m'insulte, il fait quoi? Là, j'ai pas compris. Il m'a dit, ouais, le bulu, Paris. Il me disait. Forcément, Jérémy qui fait des conneries avec le matériel. Le Louvre. J'ai compris, les bleus, genre, allez, les bleus, du coup, j'en ai fan de foot, quoi. Il était allé à Paris la semaine d'avant, il avait visité le Louvre. Okay. Ils ne sont pas le V, ils n'ont pas le R, ils n'ont pas le L, ils n'ont rien, tu vois. Ils disaient « Lululu ». Et il m'a fallu 15 minutes pour essayer de comprendre qu'il me disait « J'ai visité Lulu ». Voilà. Ok, je l'ai. Lululu, voilà. Il y a plein de mots comme ça. C'est horrible. Très, très bien, ça. C'est fou, hein. Ouais, c'est fou.
Mais c'est une langue qui est passionnante. Il y a des gens qui apprennent le japonais, là, qui parlent à Koué. Ah bon, ah bon, vous, monsieur? Traduction en direct. Comment? On lui fait faire une traduction en direct. Aujourd'hui, il fait beau. Interro surprise. Non, mais c'est vrai qu'il a, il a un bon niveau. Je confirme. C'est vrai que la barrière de la langue... Alors, quand vous posez la question, il a pointé Dark Hill. Hein. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça. Eh, hey, coucou Jérémy. Ils ont le budget. Comment ça va? C'est la Japan Expo. De vacances. Jérémy fait une conférence à la Japan Expo cette année. Sur la vie au Japon. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un pays que tu peux découvrir. Surtout qu'aujourd'hui, on a les applications de traduction. La conférence est bientôt terminée. On peut avoir honte de sortir son appli de traduction et de dire, vas-y... Et après, on va aller faire une balade dans la Japan Expo. Vraiment, il faut vraiment pas s'arrêter à ça. Vraiment pas. Quand il va descendre de scène, Jérémy, on te raconte tout. Non, au Toshima, il n'y en a pas tant que ça. Je sais que Tokyo, il y en a beaucoup plus. Moi, tu vois, je suis forcément jamais allé à Tokyo, j'ai dû aller deux jours dans le monde. Sérieux? Ouais. Tu restes beaucoup sur... Ouais, je reste beaucoup dans la région d'Hiroshima. On a beaucoup pensé à toi, Jérémy, parce qu'on a... Mais Hiroshima, il y a très peu de Français. Il n'y a pas une grosse commune française. Il a beaucoup parlé sur scène du dernier voyage au Japon, de ce qu'on avait fait là-bas, de ce qu'on avait mangé là-bas, etc. Une grosse commune brésilienne. Hiroshima, très très grosse commune brésilienne. Commune brésilienne à Hiroshima? À Hiroshima. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Je ne connais pas vraiment la raison, enfin tous les détails de la raison. Mais quand j'ai demandé, parce que moi ça m'avait choqué aussi, en fait on m'avait dit qu'il y avait beaucoup, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de Japonais qui s'étaient allés se réfugier au Brésil. Et que du coup, les petits enfants que ses parents agressifs décident de retourner au Japon. Et du coup, il y avait une grosse commune. Alors, je ne sais pas pourquoi Hiroshima, mais il y a une grosse commune brésilienne. Les Japonais sont allés se réfugier au Brésil. Au Brésil. Et la descendance. Ils sont mariés avec les Brésiliens. Et la descendance qui revient. La descendance qui est retournée sur les terres. Et du coup, comme il y a. C'est fou. L'héritage est fou. L'héritage est fou. Du coup, ça revient à Hiroshima. Ouais. Très grosse commune. Et comme tu restes. Hiroshima, je suppose que tu as des endroits, des spots. Ah oui, bah tu viens, je te régale. S'il y a un endroit que tu devais recommander qui est un peu éloigné des circuits. La personne qui est sur scène avec Jérémy, c'est Thibaut qui vit au Japon, qui vit à Hiroshima. Il y a un temple qui s'appelle Minami. Le temple Minami, c'est le temple de trois cascades. Et un temple qui est pas très loin de Hiroshima. Tu peux y aller en vélo du centre ou en taxi en 15 minutes. Il n'y a vraiment personne qui y va et c'est magnifique. Et en fait, c'est des escaliers qui montent le long d'une montagne. Et du coup, tu suis les trois cascades, Minami. Et les cascades, tu deviens de plus en plus grandes. Okay. Et les cerisiers, enfin, tu vas en hiver, c'est magnifique. Tu vas en été, c'est magnifique. Et au printemps, tu as les cerisiers. L'automne, c'est les voluntiers. C'est vraiment, c'est entretenu par des moines qui habitent sur place. Tu as un petit café, des petites rivières et puis tu as le son. Des insectes et des oiseaux. Et c'est génial, tu as le sens, tu sais, il y a beaucoup d'endroits où tu peux te laver les mains avant de cuire. Petite soucoupe que tu remplis d'eau et que tu te laves les mains. Il y a toujours des trucs un peu à bascule. Oui, le fameux chopper, il faudra qu'on demande à Jérémy après. Comme ça, il y en a plein et donc tu marches. Je sais qu'il fait des choses sur YouTube, Twitch, je sais pas. Et il fait des jeux d'horreur principalement. Okay, tu faut demander à Jérémy, lui, c'est... Minami. On lui demandera après si tu veux, je me le note. Je valide. Minami, tu ne regretteras pas. Ok. J'avais fait un Hiroshima, on y a passé 3 jours, pour une journée au fameux Miyajima. Voilà. Ça, t'es obligé. C'est la photo emblématique du Japon. C'est vrai qu'il y a eu quand on a pris le ferry, il y a eu un petit moment d'émotion quand tu vois le torii qui s'approche et tu te dis quoi, putain, je vais le voir. Ce qui est assez rigolo, c'est que je m'attendais pas à le voir comme ça. Ouais, parce que tu arrives de l'autre côté de la photo au final. Ouais. Et ça donne une dimension vraiment très incroyable. Ceux qui ne savent pas, Miyajima, c'est le torii qui est dans l'eau. Un torii très connu qui est dans l'eau. Et en fait, c'est une île, qui est à côté d'une île. Et on peut du coup y aller en bateau, et on peut aller très très proche de la torii. Et quand la marée basse, on peut même aller marcher dessus et aller le toucher. Toucher le torii. Le toucher. Après, il faut vite te dépêcher parce que la marée... Sinon, tu te fais emporter par la marée. Et c'est vrai que du coup, on est arrivé par le goûter. Et quand je suis arrivé devant, c'est la carte postale emblématique du Japon. Bah là, je le vois 3 fois là, déjà sur le stand là-bas. Ah ouais, ouais. Attends, t'arrives à voir le... Là, tu vois qu'il dépasse là. Ah ouais, on le voit là-bas. Là.
Ah ouais, putain, carrément. Et le truc ultra connu. Ouais, ouais, bah voilà, c'est l'emblème, voilà, c'est le Tori orange avec un pied dans l'eau. Bah, là, il y a un Tori, là, juste derrière. Hein, là, là. Ouais, celui-là n'est pas dans l'eau. Celui-là n'est pas dans l'eau. Mais il n'est pas dans l'eau, celui-là, il n'est pas dans l'eau. Et du coup, on n'a pas fait que ça, tu vois, à Miyajima. On a pris un téléphérique. Ah, tu on est monté au Mont-Bicène. Ouais, on est monté au Mont-Bicène. T'as fait le flemmard un peu. 45 minutes, tu vois, ça se fait, là, pour faire. Alors, la montée avec des marches à ne plus finir, on a fait la descente quand même. Et, bon, ça va. Alors, on est monté par un côté et après on a fait tout le haut, les crêtes. Ouais. On est allé jusqu'au sommet du Mont-Bicène. À un moment donné, quand je pars au Japon comme ça, là, je suis pas parti tout seul, je suis parti avec Toto qui est juste là. Mon ami avec qui je fais des lives de IRL. Et à un moment donné, je m'assois et je la vois disparaître. Ah. Je la vois disparaître, c'est pas bon, littéralement. C'est, ouais, hein, c'est pas bon signe, ça, en c'est général. Pas bon signe. Elle me dit, je m'en vais, je reviens. Okay. Je sais même pas de quoi il parle. Là, non, si, c'est vrai. C'est pas moi, c'est pas moi. Et en fait, je me pose et je dis, mais bon, elle va revenir. Elle a trouvé un chemin, je sais pas, elle a vu des pierres, elle a trouvé un chemin, elle dit, j'y vais, je ne bouge pas. Et elle revient un quart d'heure après, que quand j'ai trouvé un truc, c'est trop bien et tout, quoi. Et du coup, on est parti sur cette petite ce petit sentier en sens unique. Et on est tombé sur un petit sanctuaire perdu au milieu des Momiji, au milieu des feuilles d'érable en feu. C'était les lumières. Ça, c'est le Japon. Il y a toujours des petits trucs perdus, des trucs incroyables. Si tu visites un peu, tu prends le temps, tu tombes toujours sur des trucs. Soyez curieux, soyez curieux. Voilà, restez pas sur le sentier. Allez voir ce qu'il y a ailleurs. Allez vous balader. Et là, vraiment, ça, c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai du mois dernier. Enfin, du mois dernier. Ouais. Comme si c'était toujours le mois dernier, je sais. Est-ce que t'aimerais bien? Ah putain. Le retour est prévu là, bientôt j'ai retour. Et tu t'en souviens très très bien. Mais oui, je m'en souviens très très bien de ce moment-là, en fait, ce moment où tu marches, et d'un coup tu passes un buisson, et là tu fais... What the fuck? Et ce temple-là, et tu vois ces offrandes qui sont posées, tu vois cette image vraiment qui est... Pour nous, c'est l'image genre que tu vois dans un animé ou que tu vois dans quelque chose comme ça, mais en fait, on se rend pas compte, c'est que toutes les images qu'on voit dans les animés, dans les fans de films, elles sont très peu fausses de la réalité. Ça m'avait choqué aussi, tu sais, tout le truc connu où le mec avance le long de la rivière, t'as les pétales qui tombent, ralenti, tout ça. C'est la même chose. C'est le stéréotype. Et bah tu vois, c'est exactement ça. C'est là, tu te prends de la neige de pétales de Sakura, moi je me souviens. J'étais à Nara, il y a eu un coup de vent monumental, toutes les pétales sont tombées d'un coup, mais je vous dis que le sol est passé de noir à rose, c'est pas de déconner, quoi, vraiment. Quand on vous montre ça dans les films ou autres animés ou quoi, c'est vraiment pas de déconner. Et là, l'image du temple, quoi, tu arrives, tu vois une bouteille de saké neuve, bougie qui est animée, tu sais pas depuis combien de temps elle est là, et il y a son père autour de toi. Tu restes une demi-heure pour faire des photos, tu t'amuses, etc. Et tout. Tu repars et tu te dis, bah, y'a personne. Ouais. Et j'ai l'impression de trouver une pépite. Quoi, bah, allez-y, bougez de vos sentiers. Ouais. C'est incroyable. Ils ont cette façon de te. Les villes, autant les villes, c'est compacté, il y a énormément de monde. Mais autant tu marches un petit peu et tu te retrouves tout seul pour coup avec toi-même, avec un petit temps. Tu savais même pas qu'il était là. Tu commences à faire une introspection sur toi-même sans faire exprès. Ouais. Et tu te sens tellement apaisé, c'est incroyable. Ça, ils ont dit. Ouais, c'est incroyable. Tu parles de réfléchir à soi-même, etc. Au moment-là, je m'assois sur les marches de ce temple, et à ma droite, il y a B, à ma gauche, il y a une île perdue, derrière moi, il y a un temple. Tu prends le temps d'apprécier autour. Ouais, et autour de moi, il n'y a personne. C'est vraiment un rythme, une manière de faire qui est complètement différente. D'avoir pour moi le Japon, c'est une impression d'avoir que à chaque endroit où tu vas, il y a quelque chose là, il y a quelque chose d'emblématique. Il y a voilà, il y a moins ça, beaucoup moins ça sur les belles princes. Hein, on a des belles très belles choses à voir, mais ils emmènent à baiser dans les Alpes, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fout là-bas, quoi. Voilà, mais ils ont ça un peu surtout. Ce qui est assez fou au Japon, c'est que tu peux y aller tellement de fois, tu peux y passer un an, tu peux y passer une semaine, tu peux y aller 20 fois, il y aura toujours des choses différentes parce que. Chaque île a vraiment son truc à lui. Ils ont leur façon de faire un plat qui est différent des autres. Ils ont une architecture qui change un petit peu. Ils
ils ont une façon de penser qui est un peu différente, ils ont la langue qui est un peu différente. C'est, en fait, comme il y a très peu de gens qui habitent dans les montagnes, ils sont très tous en ville, c'est vraiment ce côté communautaire, tu vois, de la ville. Et quand tu vas de ville en ville en ville, tu vois vraiment la différence. Ça reste des Japonais, mais c'est vraiment leur truc à eux, tu vois. Je trouve ça vraiment incroyable. Et même, ça fait 15 ans qu'il y a, c'est ça, au Japon ? 10 ans, 10 ans. 10 ans, j'arrondis. tu te lasses pas, en fait. Je me lasse pas. Et souvent, on pose la question, mais la France, ça te manque pas ? La bouffe française, ça te manque pas ? Alors, il y a des choses qui me manquent, forcément. En plus, venant de Lyon, voilà, il y a des choses. J'étais à Lyon, Ouais. Niveau bouffe, c'est incroyable. Et en fait, je dis, il y a tellement de choses différentes, il y a tellement de petites variantes dans les plats qu'au final, je ne réalise même pas, ça ne me manque absolument pas. Alors évidemment, quand je reviens... Voilà. Combien de plateaux de fromage tu as mangé? La petite indigestion hier à l'hôtel... le citrate de bétaïne qui vient carrer la soirée. Une petite coquillette au comté, là, je peux dire que le corps, il a fait... Qu'est-ce qui se passe? mais ça manque absolument pas. Le fromage, qu'est-ce qui t'a compris le plus par rapport à la France? Par rapport à la France, en bouffe, mais pas que des bouffes peut-être, est-ce qu'il y a... Sans compter la famille, tout ça, on en est. Bien sûr. En termes de bouffe, en fait, c'est pas vraiment la bouffe qui me manque en France, c'est plutôt la façon dont on a de manger en France. Au Japon, c'est très carré, c'est très... Il y a un plat, tout le monde se sert, tu vois, dans le plat, par exemple à Yakiniku, on est tous autour de la table. En France, en fait, on prend vraiment le temps de manger. On a des repas de famille qui peuvent durer 2, 3 heures, 4 heures, tu vois, on voit l'apéro, on rigole et tout. Apéro, barbecue, voilà. Digestif, ouais, c'est plutôt ça qui me manque. Qu'est-ce qu'on peut rajouter entre le dessert et le plat, là? Pétanque, voilà, bien sûr. Donc, voilà. C'est ça qui me manque, c'est vraiment ça. Parce que le Japon, c'est, on arrive au dîner. Et qu'est-ce que tu bois? Donc moi je suis content, on prend une bière et puis le plat est déjà servi, en fait on n'a pas le temps. En 30-40 minutes c'est fini. Et puis après, bon, ils passent le temps ensemble, ils font autre chose. Mais moi c'est vraiment ce gros moment à la française. Je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de faire un repas avec une famille japonaise. Ouais. Enfin, j'ai des amis qui habitent au Japon, des expats, mariés avec des françaises ou quoi, etc. Mais c'est vrai que ouais, ce côté-là, je trouve que ça pas. Et quand j'ai dit à mes beaux-parents que nous, des fois, enfin, ils sont venus une fois à Noël en France et tout, ils ont vu qu'on avait commencé à 11h, fini à 23h, ils sont venus. Est-ce qu'on fait autre chose que bouffer et boire dans ce pays? Alors, tu te mets à table à 11h à Noël, c'est parti, tu finis le repas, il est 16h, petit digestif, pétanque et tout. Oh, mais il est 19h, allez, on se remet à table. Les Japonais, dès qu'ils sont réveillés, tu vois, ils sont rouges, mais écarlates. Je peux dire que le beau-père, il a bien aimé le voyage en France, je l'ai vu tout de suite. Mais voilà, c'est vraiment ça qui me manque. Plutôt que la bouffe en elle-même. La pétanque au Japon, c'est... Alors, c'est ce que j'ai l'impression là, incroyable, incroyable ce que tu me demandes ça. Non mais ça parle maillot et pétanque, JPP quoi. C'est le premier tournoi de pétanque au Japon. Mais non. J'ai un club de pétanque. Ok, on va noter ça sur la to-do list. À Hiroshima. Pétanque au Japon. À Hiroshima, il y a un club de vieux. Ils sont une quinzaine. Et tous les jeudis à 19h, ils se retrouvent sur le terrain de baseball de l'école. Jeudi 19h. Voilà, à Minami. Minamiku. Et incroyable, la pétanque. Et ma femme, elle me dit ça. Il y a du level ou quoi? Ça joue pas comme nous. Ça joue pas comme nous. Ils sont... Genre, t'envoies ça comme non, ça. Non, pas à ce point-là. Mais tu vois, nous, on est évidemment le tu tires ou tu pointes, tu vois. Mais quand tu jettes bien la boule, elle vole bien. Tu peux l'acheter très haut et tout. Eux, ils sont plus dans le roulé. Ils font beaucoup rouler. Parce que eux, ils jouent pas à la spray comme nous. Peu importe le terrain, nous, tu vois, on joue à la pétanque. Eux, c'est très lisse, t'as le sable et tout. C'est la pétanque à la japonaise. La pétanque à la japonaise. T'as le petit cerceau, il faut pas sortir. Ah, moi j'avoue que j'aime bien le cerceau. Ah bah. J'aime bien le cerceau. Mais les graviers non, l'herbe non, tu vois. Bah, apparemment il y a de la pétanque au Japon, ouais. C'est n'importe où, oui, hein, mais c'est... du coup, comme ils jouent tout le temps sur la même surface, le sable et tout, c'est vachement plus roulé que nous. Oui, ça doit filer. Ouais. C'est plus du bowling, slash curling, slash pétanque. Ok. Et ouais, j'étais étonné. La pétanque, et je vois que de plus en plus qu'au Japon, je vois la pétanque à Hiroshima. Mais attends, les boules qu'ils ont là-bas, c'est des boules. C'est les mêmes. Elle est même que nous. On est en train de nous dire qu'on parle trop. Ah ouais, mais bon, le Japon, c'est tellement vaste, c'est tellement incroyable. Oui, ben oui, en même temps, comment couvrir un sujet aussi vaste que vivre au Japon en peut-être prendre une ou deux questions pendant la minute. Oh, oui, bien sûr, on a oublié les questions. On a oublié, il attend depuis tout à l'heure avec la minute. S'il y a des personnes dans le chat, si vous avez des questions dans l'audience,
que vous voulez que je relaye sur la vie au Japon. Voilà, sujet, un autre ami qui a un micro et qui peut mettre en relation. Ils n'ont pas l'air chaud, hein. Vous n'avez pas l'air très chaud de poser des questions. Sur pétanque peut-être, vous voulez savoir la taille du cochonnet, la couleur ou quoi. La marque des boules, moi je me demandais s'ils avaient des gros buts. Je ne crois pas. De mémoire. Mais après je suis pas un professionnel de la pétanque japonaise, donc je peux pas te dire. Mais on a parlé. De toute façon on a parlé de ce qui est important. Le balader, ne pas rester dans les sentiers tout fait à touristes, balader, la bouffe. Être respectueux aussi. Respectueux. C'est important. C'est important parce que... Essayer de s'adapter à leur mode de vie, notamment le respect, la bienveillance des autres. Ouais, l'image des touristes prend un sacré coup parce que les réseaux sont très virulents. C'est vrai qu'en ce moment, depuis la fin du Covid, les touristes prennent un sacré coup. Il y a des rues interdites. Oui, mais il peut y non, avoir vous n'avez pas de questions. Moi, je peux relayer des questions s'il y en a. Mais dites-moi. Voilà, mais c'est pour les bannir, hein, parce que je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que c'est bien de... Bonjour, essayez. Tiens, on a une question là-bas. Vas-y. Bonjour à vous deux. En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous m'entendez ? C'est bon ? Essaye de parler plus presque. Ouais, là c'est bon ? Ok. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, c'était sur Reddit, d'une geisha en fait qui était en train de marcher dans la rue tranquillement. Et il y avait une touriste, une dame, une cinquantaine d'années occidentale. Qui la suivait, qui prenait des. Qui la suivait, alors elle marchait. Tac, elle fait le tour comme ça, elle essaye de la prendre en photo et puis la geisha très gênée en fait, elle continue. J'ai trouvé ça aberrant en fait de voir un truc pareil. Mais du coup en fait ça m'étonne pas que maintenant ils ferment littéralement des endroits aux touristes et c'est une bonne chose. Et du coup vous avez déjà assisté à ce genre de déviance parce que c'est quand même hallucinant d'assister à des trucs. Non, pas de pareil. Question. Les gens se rendent pas compte en fait. Je sais pas si t'as vu la vidéo dont il parle. Oui oui bien sûr, bah, je faisais un peu allusion à ça, c'est devenu très très viral. Après, on rappelle que la plupart des gens sont quand même respectueux. Oui, bien sûr. C'est vraiment les trucs virales, voilà, comme ça. Mais moi, j'ai jamais vu. Mais je sais, honnêtement, je sais pas quoi faire. Je sais pas si fermer les rues, c'est vraiment la bonne chose. Je sais pas si. Le problème, c'est que tu es obligé de punir tout le monde. Tu peux pas. J'essaye de protéger. Ben ouais. Et pour répondre à la question, j'ai pas vu de personnes irrespectueuses faire ce genre de choses-là, par exemple. J'ai déjà vu d'autres choses irrespectueuses, comme par exemple ne pas respecter, par exemple, je sais pas, t'as un bel arbre, t'as un beau décor, etc. Et t'as juste une petite cordette pour ne pas marcher sur la pelouse. Ah oui. Les gens franchissent la pelouse, ils vont toucher les trucs, ils vont s'appuyer sur ça. Donc, c'est un peu partout ça. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais très franchement, si ça arrivait deux ou trois fois, c'est pas vraiment la chose qui m'a le plus marqué. Ce qui va peut-être plus marquer, c'est l'absence de poubelles au Japon. Voilà. Alors ça, on n'en a pas parlé. C'est les rues les plus propres que j'ai vues de ma vie, et pourtant il n'y a aucune poubelle. Au Japon, vous ramenez vos déchets chez vous. Voilà, c'est un cours combiné. Au combiné, mais ça, il ne faut pas le dire, bien sûr. Mais oui, voilà, j'ai pas vu quelqu'un jeter un papier par terre, par exemple. Eh bien, Jérémy. Super. Merci énormément. On recommence demain, 1h tous les jours. Ouais, on va faire ça. Voilà, vous nous retrouvez tous les jours sur la scène, même quand elle sera démontée ce soir. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Vous avez encore une super probe là, qui arrive sur le stand de Stream Action. N'hésitez pas à nous retrouver. Toi, tu streams sur ta chaîne. Je stream, oui. Mr. Thibault, spécialisé dans l'horreur et phasmophobia. Rien à voir avec le Japon. Tu vois, je ne fais pas de live IRL. Pourtant, j'aimerais bien. Hein. Mais j'en fais pas. Quasiment tous les soirs de la semaine à partir de 22h30. Parce que moi, comme je suis au Japon. Ben, je me lève à 4h du matin pour streamer pour les gens à 22h. C'est ce que je faisais. Donc, moi, des jeux d'horreur dès le matin. Dès le matin, c'est pour la Oli. Voilà, c'est ça. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Jérémy, J-O-R-M-Y. Je fais du contenu autour du Japon, autour de la cuisine japonaise au moins une fois par semaine, apprentissage à la langue japonaise et stream IRL où je pars en voyage assez régulièrement. On a fait le Japon, la Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et là, je suis à Paris, on a la Japan Expo. Voilà. Et l'année prochaine, en duo avec Mr. Thibault à Hiroshima. Et bien sûr, carrément. L'annonce. C'est noté. Merci, une belle convention, merci tout le monde. Merci à tous, des bisous. Et allez au Japon. Oui, allez-y. Alors, ça vous a plu? Ça vous a plu ou pas?
Regardez comme j'étais bien posée. Posée par terre. On est bien là, non? Il va aller retirer son micro, ses trucs et tout. Et il va nous rejoindre, Jeremy, dans quelques minutes. On va aller faire une petite balade. Et voilà. Vous avez kiffé ou pas? C'était comment? Par contre, bien évidemment, je ne me rappelle plus si j'ai mute le micro ou pas. Non. Si, j'ai mute. Attends, j'ai mute le mot. Si, c'est bon. C'est bon. Attention, le Jeremy victorieux. On a parlé de ouf là. Attends, t'es mute. Je suis mute là. Non, c'est bon, t'es démute. C'est bon, je suis démute. Et on a parlé de ouf là. Comment ça va tout le monde? Ça va? Ça vous a plu? Vous avez appris des choses? Oh, Jeremy, t'es là. Oui. Comment ça va, Jeremy? Ça va bien? Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette scène? Je ne comprends pas. C'est le step-up du Germiland. C'est Jeremy sur scène à la Japan Expo. Ah ouais, est-ce que tu sais... Ouais, vous pouvez envoyer, c'est ça, ouais. Tilk, tu attends, peux... Attends, regarde, je l'ai là. Tu peux y aller. Il m'a filé ça. C'est ça, hein? Meshi. Ça a l'air d'être ça. Ouais, tu peux y aller, Tilk, c'est ça. MR Tibout. Tu peux faire le slash shout-out. Vas-y. Non mais moi j'étais morte de rire. Hein. Je leur disais, alors j'ai essayé qu'on t'entende bien donc j'ai pas trop parlé. Ok. Mais moi genre... je t'ai vu à un moment donné, t'avais le micro à la main et t'étais morte de rire. J'ai dit putain vas-y, qu'est-ce qu'elle est en train de balancer alors, comme dinguerie. Je crois que j'ai pas dit grand chose, je crois que j'ai surtout dit, voilà, on met Jeremy sur une scène et il parle de quoi? Il parle de maillot, de pétanque et de. On lui dit Jeremy vient parler du Japon, ça finit en maillot, pétanque et. Mais c'est pas ça que vous vouliez? Non? Nouveau poteau, mais ouais, franchement, Mister Tibout, il est trop gentil. J'ai dit ça aussi. Ils ont invité Jeremy à faire une conférence, en fait, on assiste juste à Jeremy se fait un copain. Lancer l'entrée à la maternelle. Jeremy se fait son meilleur ami, quoi. Incroyable. Tu veux qu'on aille se balader? Ouais, on va aller se balader. Tu veux que je reste encore un peu avec le chat? T'avais encore des choses à faire? Non, juste, attends, je vais. Je suis en train de programmer mon mindset. Boire de l'eau, c'est bon. Est-ce que tu as soif? Non, ça va. Ok, il y a des millions de trucs à boire, c'est pour ça que je voulais que je t'amène un truc. La bouteille d'eau qui carie, bien sûr. Je vais aller faire juste un coucou à Doug pour le remercier. Stream and Chill, ils sont là tout le week-end. Donc encore aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il y a plein de conférences, il y a plein de belles choses. Donc voilà, merci encore à eux pour l'invitation et pour la conférence avec Mr. Tibout. C'était trop cool. Je vous laisse encore 2 minutes avec Clo. Comme ça, je vais faire un petit bisou derrière juste pour leur dire au revoir et les remercier. Et après, on repart en IRL et on va faire du loot au stand Nintendo. Voilà. Allez, à tout de suite. Je leur ai dit. Merci, j'arrive. Me revoilà à l'antenne. Cloto prend le contrôle. Non, mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai trouvé ça trop chouette. J'ai trouvé que c'était trop sympa. L'ambiance était trop bien. En plus, je suis désolée, des fois je vous ai un peu abandonné, j'ai pris plein de photos, du coup vous les retrouverez peut-être, je sais pas, sur Instagram ou je sais pas ce qu'il va en faire, Jeremy, mais des fois je vous ai un petit peu abandonné pour aller faire des photos. C'est pour une bonne cause. Vous allez avoir des chouettes photos sur Instagram et tout. Et franchement, ouais, moi je trouve que franchement, il peut être fier de lui. Ça fait plaisir de voir Jeremy comme ça. Ouais, ça fait grave plaisir. Franchement, il mérite, Jeremy, sa chaîne. Taf de fou depuis 2021 et tout, et franchement on se retrouve à faire une conférence comme ça à la Japan Expo, moi je trouve ça hyper stylé, je suis hyper impressionnée. Vraiment quand il revient, vous pouvez lui envoyer plein de claps dans le chat pour la conférence. Je vous donnerai le top, je vous dirai alors vous avez trouvé ça comment la conférence, et je compte sur vous, vous enverrez plein de claps au moment où je donne le top, ok? Je dis alors c'était, vous avez trouvé ça comment la conférence, et là vous envoyez sur une montagne de claps, quoi, ok? Bon, là, il est encore en train de papoter, bien sûr, Jeremy, quoi. Ah, c'est vrai, l'OS Lolo? Ça a continué d'évoluer, il mérite vraiment du soutien. Je fais juste une dédicace avec mes fans. Mais il se la pète. Ça fait des selfies et tout.
Jeremy, là, ses fans qui sont venus le voir. Il y a quelques personnes qui sont venues voir. Qui n'oublie pas dans la célébrité. Non, non, il arrive. Vraiment, je sais pas si vous avez entendu en mode, je peux faire une photo. Non, vraiment, Jeremy va prendre la grosse tête. Je retire ce que j'ai dit, lui envoyez pas les applaudissements. Lui envoyez pas les applaudissements, il va prendre la grosse tête. Genre, il me dit, ouais, tu m'excuses, je fais des photos avec mes fans, s'il te plaît. Franchement, j'avais trop envie de poser des questions à la fin pour mettre un peu de difficulté. Genre, j'avais été, mais je cherchais, franchement, j'ai cherché des questions et tout, mais j'étais en mode, vas-y. Merci. Franchement, je suis trop contente. J'ai fait des chouettes photos. J'ai fait des chouettes photos. Attendez, on voyait pas maintenant les claps, il n'est pas revenu encore. Merci pour le leurre, Kakageru. Merci beaucoup. Les photos vont être canons, j'espère. C'était dur de faire des photos un peu variées, parce qu'en gros, ils étaient juste tout le temps en train de rigoler et tout. Donc j'ai un million de photos de Jeremy en train de rigoler sur scène. Mais j'espère que c'est bien ce que j'ai fait. Ah merde, le solo t'a raté, mais il y aura un replay, mais ouais. Merci. Re. Je sais plus si t'étais mute ou pas. C'est des mutes, oui, c'est bon, c'est okay. Des mutes. Merci, merci Cloto d'avoir tenu le live aussi longtemps. Merci beaucoup. Bah avec plaisir, t'as eu un raid de Johan. Oh, merci Johan pour le raid. Vers le début de la conférence. Ok, bah j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez... J'espère que vous avez kiffé. J'aurais dit le monsieur sur scène, c'est lui le streamer. On va prendre le matos. Ouais. Et on va bouger. Tu veux remonter l'objectif? Tu m'avais pas monté l'objectif? Ouais, j'ai failli descendre de scène pour te le monter, mais après j'ai vu que tu te débrouillais et tout. Quoi. Donc, j'étais en mode, ok, est-ce que Jeremy m'a bien appris à démonter un objectif qu'il faut cacher et tout, nanana, pour pas mettre de la lumière? Ouais, mais j'ai de la poussière dedans de toute façon, donc il faut que je nettoie. J'ai tout retenu ce que tu m'avais dit. Je suis sûr que c'était top. Merci pour les claps, merci beaucoup. Je sais pas pourquoi vous faites des claps, c'est pour moi, c'est pour... Oui, je leur ai demandé si ça vous a plu la conférence. C'est cool. Vous avez bien aimé Jeremy sur scène. Si ça vous a appris des trucs et tout. Et aussi Monsieur Thibaut, super rencontre, ouais. Super connaissance. Et ça me fera... Il y a Loïs Lolo qui disait dans le chat que ça fait partie de ces streamers nocturnes. Thibaut ? Ouais. Oh, let's go ! Et que le fit est incroyable. Ah ouais, carrément. Parce que la bouffe, parce que ceci. Carrément. C'est Loïs Lolo qui disait ça dans le chat. Incroyable. Regarde, you drop this. Regarde, ils ont tous trop kiffé. Merci. Alex, elle a dit que tu méritais de fou et tout aussi. On va marcher un petit peu, j'ai besoin de marcher là, j'ai besoin de redescendre le truc. Et je vais vous raconter un petit truc sur ce qui s'est passé aussi. Là. Ok, on va avoir les backstage. Ouais, j'ai fait beaucoup de photos. Ouais. Des fois, je regardais. Alors, attendez, juste un truc. C'est que là, il y a la scène qui est derrière. Des fois, je regardais, je voyais mon matos de stream avec pas Cloto devant. Non, mais j'ai demandé à Darky de garder. Et justement, il y a de quoi avoir peur. J'ai Darky qui garde mon matos. Ouais, mais je vois Darky qui garde mon matos. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je jette un micro, j'envoie la bouteille ici. Attends, t'es prêt? À un moment, il m'a quand même dit. Si tu pars, je peux raconter des trucs sur le live? J'ai dit non. J'ai dit non, reste tranquille. Il m'a dit mais tranquille, détente. J'ai dit non. Ouais, la détente c'est de non. C'est surtout que je voulais qu'on t'entende bien et tout. Trop bien. Bah en tout cas, merci. C'est pour ça que je répondais pas trop longtemps. T'as participé au live? GG. Attends, ça c'est à toi. Moi je reprends ça. Ouais. Moi je reprends ça. Attendez, je vous retourne comme ça, je vous mets sur la scène. Hop. Hop, voilà, regardez, il y a les autres copains qui sont là. T'as vu, on nous voit à l'écran. Ouais, j'ai vu qu'on nous voyait à l'écran. Non, mais là, ah oui, il est pas là. Oui, là, de l'écran, de l'autre écran. Hop, c'est tout bon, on décolle. Tac, tac. Non, t'inquiète, tu sais, on a fait ça au Japon. Hein. C'est pas la Japan Expo qui va nous faire peur. J'ai déjà lancé. Qui êtes-vous? Natalia. Ah, cool, comment ça va? Bon, on vient de finir la conférence. Ouais, bah,
Et là, du coup, faut qu'on bouge sur. On va bouger avec le chat et tout le monde sur le stand Nintendo. Bah ouais, mais ça fait plaisir de te croiser. Mais bien sûr, bien sûr. Tu veux que je te. Attends. Hop, attendez les amis, il y a Azalia qui vient de passer. Bah oui. La star maintenant, arrêtez de dire des bêtises. Quand je vous ai dit qu'elle allait prendre la grosse tête et tout. Tu récupères ça ? Je prends la grosse tête. Tu veux bien porter le masque ? Ah non, mais elle veut Clotho aussi. Ah bah oui, quand elle a dit. Donne à Darkil. Attends, regarde. Remets sur le pouf. Attends, d'ailleurs, le pouf, faudrait le ramener. Ouais, attends. Donne-moi la batterie. Mais non, attends, c'est tiens, normal. Tiens, tu filmes la scène. Je vous laisse avec Darkil. Tu ouais, filmes la scène. Il n'a pas de micro. Tu bouges pas. Il n'a pas de micro. Voilà. Et tu tiens ça, voilà. Mon et tu Dieu. Bouges pas, Darkil. Tu filmes que la scène. Darkil. De manière très tu temporaire. Deviens porte voilà. Caméra. Mais oui. Attention, c'est pas droit là. Ouais, attention, ouais. Faut rester droit, Darkil. Non, tu bouges pas là. Attention, Darkil, on reste droit. Darkil prend le contrôle. Bah non, on rigole pas. Hein. T'as de quoi faire la photo ? Par contre, faut la faire vite parce que j'ai pas confiance. Vas-y, viens, mets-toi au milieu. Mets-toi. Super. Bon, bah, amusez-vous bien. Mais de rien. Bah là on est en stream, on continue le stream et après bon on va se croiser sûrement encore dans la convention. Mais c'est pas grave, mais ça fait plaisir de vous croiser, de croiser la commu, de croiser les streamers, donc merci de venir faire un coucou. Ah. Les modos en sueur. Les modos en sueur, oui. Merci et amuse-toi bien, bonne convention. Salut. Faut que je ramène le pouf. Ouais, on reste avec Darkil, il tient le stab, t'inquiète. Ouais, ouais, mais faut que tu gardes ça, 2 secondes. Ok, mais ouais, mais donne-moi ton micro. Et bonjour la Japan Expo, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes celles qui sont regardées également sur Twitch, puisque nous sommes en direct sur les internets. Bonne digestion à toutes et à tous, ou bon goûter, ça dépend si vous avez mangé tard ou pas. Aujourd'hui, pour une heure à peu près. Là, on va aller faire un tour. Personne nous en voudra. Bah, vu que c'est le taulier, on va aller faire un tour. On a le droit. On va déborder. On va déborder. C'est parfait. Sur le stand Nintendo et justement un titre qui est assez évocateur, qui est regarder un peu du loot et tout. J'ai eu la chance, grâce à Hughes et à Doug, d'être là sur le stand Stream and Chill. Et on m'a proposé, voilà, t'as une heure, t'as un créneau, tu parles de l'e-sport de la manière dont tu veux. Et finalement, assez naturellement, Jérémy est encore en train de faire sa star. Hein. Parler de l'e-sport de la 5ème République à nos jours. Let's go. Allez, on voilà. Le bébé essaye. C'est pas vous allez faire un tour pour que tu puisses revanche, papoter. Non, c'est parler de la place de la femme. Je veux bouger. La place de la femme dans le jeu vidéo et notamment dans l'e-sport. Darkil disait que tu devais avoir des gros biceps parce que c'est lourd. Parce que c'est une casque, c'est une commentatrice. T'inquiète, je suis un sportif. Ça, c'était quand même bien plus sympa. Donc, évidemment, c'est super d'avoir maillot, un muscle à la maillot. C'est important qu'on y aille parce que là, ils n'entendent que ça. C'est dans son sujet, du coup. À plus tard. Moi, peut-être pas non plus. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir le... Alors oui, il y avait du bordel, là. Alors, qui est mute, là, check. On est démute tous les deux. Ok, trop bien. Alors, les backstage. Alors, ouais. Il y a la régisseuse qui me dit, quand on s'installe sur la scène, elle nous dit, installez-vous. Attends, on va faire juste un truc. Voilà. On s'installe sur la scène, et là, elle arrive, elle nous dit, prenez les micros, voilà. Donc là, vous avez un écran devant vous, là, vous voyez, ça, c'est le retour du live. Ok, elle fait là, il y a marqué écran de pause, ok, super. Bah, quand l'écran de pause disparaît, c'est à vous. Ok, elle se barre. Et là, je me dis, mais comment ça, c'est à nous? Ça veut dire qu'on doit parler, on doit dire des choses, on doit faire... ça y est, c'est lancé, il n'y a personne qui nous introduit et tout, machin. Et là, je vois l'écran de pause qui disparaît, je fais... Bon, bah, et là, il y a un moment de flottement, je me dis, est-ce que Thibaut va dire quelque chose? Non, oui, peut-être, machin. Je dis, bon, allez, vas-y, let's go, faut y aller, là. J'ai dit, et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, t'es comme à ton setup, t'es comme à la maison, et vas-y, envoie juste ton... Hé, regarde le Pikmin, là, c'est du loot, ça. Quoi, le quoi monsieur, il a du loot. Pikmin, c'est quoi faut lui c'est les graines à planter, là. Faut lui demander si... Pikmin Bloom, viens, on va lui demander. Faut lui demander s'il faut aller sur le stand ou si... Ah ouais, viens, on va lui demander. Excusez-moi, c'est un jeu spécial que vous faites, là, Pikmin Bloom, c'est quoi? C'est en lien avec un jeu qui est sur le téléphone. Moi, déjà, j'ai vu des graines de Pikmin.
C'est des fleurs ? C'est des vraies, oui, des vraies graines, des vraies fleurs. Voilà. Let's go ! Incroyable, on peut ? Oui, merci. Mais et trop après, cool. Le jeu est par rapport en fait, donc à la licence Pikmin sur téléphone. Ah ouais, sur téléphone. Où vous pouvez directement après cultiver vos propres Pikmin. Depuis quand ? C'est sorti récemment, juste avant le Japan. Ok. Pikmin Bloom. Mais trop cool. Elle peut avoir aussi une... Merci. Merci beaucoup. C'est quoi comme fleur ? Oh, des fleurs estivales. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Comme je te dis, je suis un radar à loot. Let's go, le loot. Je suis tellement un radar à loot. On a du loot. Alors là, vous n'êtes pas prêts, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte à quel point je suis un énorme radar à loot. Dès qu'il y a du loot, voilà. Ah bah regarde, il était là, le stand. Ah ouais, Bloom, ça a l'air rigolo. Live jardinage. Ah, t'es pas prête, Léonore. Oh putain, il y a des chapeaux Pikmin. Est-ce que tu veux un chapeau Pikmin ? Ok, let's go. Attends, tiens, mets dans le sac à loot. J'ai pris un sac à loot. Le sac à loot officiel. Ok, je suis jaloux. Tu peux être jaloux, Jérémy. Let's go. Oh, la petite potière, coucou. Ça va ? Attends, Jérémy, tu veux des... Ah bah non, on pourra pas te les ramener. Mais on peut pas les ramener, comme on fait pour les ramener. Mais alors, si tu veux, on t'en prend, on te les envoie ou quoi, mais je pense pas que t'aies le droit. Ah ouais, regarde, ils ont des... Vas-y, moi je veux un chapeau Pikmin. Je prends quelle couleur ? Ah, c'est la dame qui les donne. Ah, ok. Mais faut faire la queue et tout. Ah non, c'est chiant, faut faire la queue. Ah, mais par contre, tu fais la photo, regarde. Ah, elle est imprimée, la photo ? Ah non, scanner le QR code pour télécharger la vidéo. Ah ouais, bon. Nul. Oui, bon, nous, on veut du loot physique, hein, pas du loot, loot virtuel. Hein. Moi, je veux des photobooths. T'as vérifié que j'avais bien éteint ton appareil photo ? Ouais. Oh putain, c'est incroyable. Merci pour la gestion du matos. Alors, Darky, il m'a dit qu'on pouvait jouer à Mario Kart. Oui, j'ai vu. Il m'a dit, après, on va se faire un MK. J'ai dit, bah non, Darky, après, on va faire un live. Je lui ai dit, si après le live, il y a du temps, je te dis, mais si. Et salut la petite potière. Ça, Jérémy, pas trop fatigué à l'ambiance. De ouf, pas du tout fatigué. Au contraire, c'était une heure de papote avec un pote. Franchement. C'était ultra chill. Hein. C'est moi, vrai, j'ai pas vu le temps passer. Ça vous a plu ? Ça t'a plu ? Moi, j'ai trop kiffé. T'as trouvé ça intéressant ? Oui. Okay, des fois, vous déviez de fou du sujet, mais à chaque fois, vous y reveniez. Il y avait toujours un. Vous retombiez toujours un sur vos pieds. Un petit fil conducteur et tout. Ouais, c'était très très cool. Okay. J'ai beaucoup aimé. Bon, par contre, là, c'est le scan. Il y a juste des écrans. Où tu joues à des jeux Nintendo que tu as déjà joué chez toi, pourquoi tu viens t'embêter à jouer à ça ? Il est où le stand Nintendo où tu peux acheter des goodies ? Alors, je pense que c'est, par exemple, si tu veux tester un jeu que tu n'as pas encore acheté, tu vois. Mais par contre, effectivement, où est le loot, quoi ? Franchement, on a joué les parents dans le chat, on était là. Oh, on est tous très fiers de lui. Notre petit Jérémy s'est fait un copain. Ce soir. Bonjour, je suis Jérémy de Germiland. Je suis envoyé par Nintendo pour vous montrer que c'est faux. Attends, je te prends en photo. Bah ouais, vas-y. Hey, petite photo avec le chat là. Petite photo avec vous. Vous souriez ? Je me suis fait une luxation à la jambe. Pourquoi j'ai levé cette jambe ? J'ai mal. Je me suis fait tellement pas respecter. Ouais, carrément. T'as vu ou pas ? Ils sont passés devant toi. Mais non, il est passé devant moi, il m'a fait genre. Ouais, non, mais passe pas devant moi dans ce cas-là. Connard. Oula, 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 oula. Pourquoi ça hurle là ? Wow, t'es mal à la taille de l'écran. T'es mal à la taille de l'écran. Je veux faire un Mario Kart là-dedans. Tu veux pas qu'on fasse un Mario Kart là ? On peut pas. C'est pas pour tout le monde, si. Je sais pas. C'est surtout que toi, t'es hyper fort à Mario Kart. Ouais. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ça ? Là, ça sort une photo. Ah. Hop, pardon. C'est rien, c'est rien. Putain, il y a un photo booth Luigi's Mansion. On fait ça. Regarde, c'est là, la queue. Venez, on fait ça en live. Si tu veux, oui. Le au 8e. Avec le chat. La casquette, tellement il a mal aux cheveux. Non, le chat ne verra pas la photo. On met en écran de pause et on leur fait la surprise. Si tu veux, mais tu peux aussi les mettre sur la photo.
c'était le selfie forcément. Alors on va pas voir les temps forts quand même, on va enchaîner les amis. On verra les temps forts plus tard. Merci, c'est gentil. Le duel se joue donc. Respire, c'est un tarif, c'est pas une personne. C'est trop bien. Hein? Vas-y, une personne devant. Oui, on veut être sur la photo. Ah, ok, on vous allez sur la photo. Incroyable. Ça va être génial. Ah mais ils sont chauds là, ils veulent voir, ils veulent être pris en photo avec. C'est du live. On est en live, c'est ça. Ouais, on est bon là. Écoute, venez prendre la photo. On fait une inception en fait, je fais une photo d'une vidéo dans photo d'un live. Voilà, c'est voilà. Elle est où la boutique où il y a du... Vous voyez le gros carré blanc. Le carré blanc, ok, d'accord. C'est un pop-up store, c'est ça? On va aller voir. Ah bah let's go. Merci beaucoup. Merci. Oh let's go, on a une glace gratos. Trop bien. On a trop bien fait. Merci, vas-y, en première. Wow. Alors, vous allez avoir trois photos et il faut attendre le flash pour être sûr que vous pouvez changer de position. D'accord. Vous changez de pose entre chaque. Ouais, ok. Trois prises. Hop, et je vous laisse peut-être commencer quand vous êtes prêts. Okay. Ok, ça marche. Attends, je vais enlever tout mon bordel là. Attends, mais comment on met le chat là? Mais attends, on est trop petit là. Mais ouais, c'est clair. Pourquoi on est aussi bas là? Faut s'approcher sinon. Ok. Vas-y, okay. T'es prête? Ok, vas-y, on fait des pauses, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Ouais, moi non plus. Comment c'est un sourire normal. Ça... Ok, il y a eu le flash. Une grimace après? Tu veux faire... J'ai essayé de le changer, attends. Ah, la troisième, elle est cursed. La troisième, elle est cursed. J'adore. C'est bon. Je vous laisse sortir et je vous l'ai fait en double. Okay, merci beaucoup. C'est trop gentil. Elles sont terribles. Incroyable. Incroyable. J'ai sorti mon meilleur. T'as vu ou pas ce que j'ai fait sur la grimace? J'ai vu que tu... T'es pas prêt. Ok. À mon avis, t'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, passez une bonne journée. Merci, bon courage. Merci. Amusez-vous bien. Mais j'ai fermé les yeux sur les trois. Putain, tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Bien sûr que je l'ai fait. Oh mon dieu, elle est follow. Merci. La fantaisiste, merci pour le follow. On montre. Oui, si tu veux, ouais. Regardez. La deuxième photo c'est ma incroyable. Meilleure grimace. Et la troisième, on est mort. C'est bien la troisième, on voit le chat. Voilà. Incroyable. La troisième, elle est parfaite. Elle me bute de rire. On fait le tour, comme ça on essaye d'avoir le stand là-bas. Ouais, ok, si tu veux. Elles sont géniales. Et en plus, la dame, trop gentille, elle nous a offert une glace et elle nous a imprimé en double les photos. Du coup, il y a Chloe qui a... Elles sont trop cool, en vrai, c'est trop cool. Franchement, on y retourne après. Tu veux que je les garde? Ouais, merci. Dans le sac à loot? Le sac à loot, ouais. C'est sa dénomination officielle. Hein. C'est ça. Putain, le Mario Kart là. Ah, le MK est incroyable. Et le son était bon, vous entendiez bien quand on... Alors, je dois te dire qu'au début, je leur ai dit ça va, vous entendez bien. Et ils ont dit bah ça passe. Du coup, j'ai pas cherché plus loin. D'accord. Et après, quand il y a eu le raid, il y a des gens qui ont dit mais pourquoi on n'entend pas bien et tout. Ouais. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai demandé à la team Germiland, ouais, la
avec les personnes qui étaient avec moi là, de pincer le micro à côté de l'enceinte. Et c'était mieux. Et c'était, ils ont dit oh putain on entend trop bien et tout. Ah, super. Mais du coup il y a eu au début où on t'entendait hein. Okay. Mais peut-être un peu moins bien. J'ai eu l'impression que le volume des micros avait été baissé à un moment donné ou je sais pas. Wow, ouais. Regarde, alors le pop-up c'est ça. Il y a des petits shorts. Mais ça a l'air vachement mieux qu'au Japon. Ouais, il y a des petites figurines. Regarde, sympas. Il y a des peluches Mario et Luigi et tout. Ah ouais, j'ai pas vu. Si, regarde. Là, au milieu, en plein milieu là. Ah ouais. Mais c'est mieux qu'au Nintendo Store à Tokyo. Ouais. Ah, il y a du Pikmin aussi. Tu veux aller voir ? Il y a un peu de Zelda. Alors. Oh my god. Oh my god. Princesse. Oh là là. Incroyable, il y a la princesse Peach. Ah, il y a Mario qui arrive en plus. Ah, c'est pour faire des photos, mais nous on veut pas faire des photos, on va aller dans le pop-up store. Oui, mais attends, je crois qu'il y a une file d'attente. Il y a une file d'attente monumentale, ouais. Tu vas aller taper ta photo avec, avec Mario et Peach. C'est me, oui, voilà, Mario. Ça va aller. C'est rigolo de voir ça. Il arrive au bon moment. Chewbacca qui passe à Suica, let's go. Jamais mais sa photo. En vrai, waouh, alors le pop-up, on va give up. Hein. Non mais. Attends, regarde ce qui est marqué là. La file d'attente se termine par une heure d'attente à partir de ce point. Let's go ? Ouais. Une heure d'attente à partir de ce point. Wow. Voilà. Alors, par contre, où est-ce qu'on peut gratter notre glace offerte ? Là, je sais pas. On nous a dit juste à côté du Nintendo. Rendez-vous sur l'espace dédié à côté du stand Nintendo. Il y a un espace dédié. Avoir de la glace. Merci Grégory pour le follow, merci beaucoup Grégory. Arigato. Là, je remets le stab en place. Attends, vous êtes là-bas ? On va demander au monsieur sinon. Petite question, c'est où qu'on peut avoir la glace ? Juste de l'autre côté. De l'autre côté ? Merci. Et ça va, t'as pas faim toi ? Ça va, et toi ? Pour l'instant ça va. Ok. Ça va, ça vous plaît la Japan Expo ? Comme tu sens. Tu voulais pas aller voir d'autres trucs ? Si, bien sûr, il y a plein de trucs à voir. Mais parce que peut-être que ça, on peut le faire plus tard. Ah ouais, on peut la garder pour plus tard, ouais. Carrément. Ouais. On pourrait retourner vers... Alors, on n'a pas fait les stands de Loot Club. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous voulez qu'on retourne vers l'artisanat ? Parce qu'on n'a pas tout fini, la partie artisanat, voyage au Japon, etc. Ou est-ce que vous voulez qu'on aille vers les stands où il y a beaucoup de merch, de peluches et compagnie. Le loot ? Bah, le loot, ça va être plus sur les stands de... Comment ça s'appelle ? Les stands des gros trucs, genre, tu vois, genre Nintendo. Et après, peut-être des éditeurs. Toi, tu peux peut-être un peu looter des trucs là-bas. En tout cas, reste pas là. Là, il y a rien. Ouais. À part, effectivement, le Nintendo... Ah bah regarde, c'est là, mais t'as ton vu pareil, t'as vu la queue. What? Ah ouais, non, c'est un bait. En plus, c'est un Mr. Freeze. Ouais, bon, tu veux un Mr. Freeze. 40 minutes de queue pour un Mr. Freeze. Ouais. Bon, l'intention est gentille, hein. Moi, j'ai envie de te dire, je préfère qu'on aille faire le tour des stands et... Carrément. T'as vu le message de Kamitoki? Non. Kamitoko qui dit « Bon, coucou tout le monde, comment vous allez ? C'est moi, Arwenia, j'ai changé de pseudo. » Ok, super. Merci de le dire. Ça va bien ? Bien, on va se balader un peu plus. Ouais. Là, par là, là où il y a les stands avec les affiches et compagnie. Ouais, bah ouais. Allons-y.
je vais bien, merci. Cool, merci de nous rejoindre à la Japan Expo. La wishlist sur le trône, ouais, en plus, je vous ai rafraîchi la wishlist. Je vous ai refresh la wishlist des enfers avec la nouvelle souris pour finir les misclics et l'enfer. J'ai démonté ma souris, j'ai essayé de la réparer moi, c'est un carnage. Et Regarde, c'est de la bouffe là-bas. Ah ouais, viens, on va essayer de trouver de la bouffe. Ah regarde, il y a une espèce de combini là. Ah, et tu te rappelles qu'on voulait aller voir ça aussi? Ah ouais. Ouais, ça nous ramène un peu là où on était déjà. Putain, tu veux des bonbons pas bons? Mamma mia, c'est le stand des bonbons pas bons aussi. Mais incroyable! Tu veux aller voir? Incroyable, je sais pas, mais... Il y a un stand de bonbons pas bons. Coucou Moshé, je suis un poil en retard apparemment. Non, t'inquiète. Mamma... Non! Des Oreos à la pêche. Quelqu'un déjà try ça? Non, mais Yves, il y a des bigous. Framboise et myrtille. Par contre, c'est chinois, ça. Non, c'est pas du tout japonais, hein, c'est du chinois. Ça a l'air bon? Je sais pas. Ça a l'air douteux. Le mot est là. Colibrigan, coucou, je reviens après une très longue absence et je me retrouve à la Japan Expo. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on te ramène. Oh mon dieu! Ils sont là. Ils font tout chiner au raisin. Ça me rappelle plein de souvenirs du Japon. Ouais. Franchement, toutes les discussions qu'on a eues là tout à l'heure, pendant une heure. Bah ouais. Et je me suis dit ça, je me suis dit, il va revenir, il va être tout nostalgique, il va aller acheter des billets d'avion direct. J'ai failli lâcher ma petite larme sur la scène. Hein, ah bah, je me suis dit, putain. Vraiment là. Mais toi, tu t'es pas gêné pour me mettre l'affiche, hein? Quoi? Oui, alors, oui, donc Cloto qui s'est barré en plein milieu, quoi. Oh my god! Oh mon dieu! De toute façon, il y a des Kinoko no Yama. Mes préférés. Je ne vois malheureusement pas les Kinoko no Yama. Non, je ne vois pas des Kinoko no Yama. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait très bizarre de me dire que l'année dernière, on était venus à la Japan Expo. On n'avait pas encore été au Japon. Et exactement, on n'avait pas encore été au Japon. Moi, ça me fait bizarre de me dire que je suis allé au Japon déjà. Maxi qui dit acheter de la bouffe à la Japan Expo, vous avez gagné au loto ou quoi? J'avoue. J'avoue. Bah, c'est rigolo de regarder quoi. Ah, il y a des goûts rigolos. Les Kit Kat, ceux qu'on a déjà vus au Japon, mais. On y va? Ouais, on y va. Déçu, il n'y a pas les Kinoko no Yama. Déçu, on cancel. On n'achète rien. On cancel. Ah oui, c'est les fameux stands de fruits secs. Ces stands incroyables. Voilà. Non, merci. Là, j'irai bien par là. On va voir là-bas. Comme ça, on se cale un petit peu plus dans le dans l'ambiance. On est dedans. On y est. Vous résistez bien, j'aurais eu envie de tout acheter. L'Ironort, tu aurais vu les prix, tu n'aurais pas eu envie de tout acheter. Regarde, là, il y a des bouteilles ouais, de saké. Il y a des bouteilles de saké, mais là on est moins dans de l'artisanal. Là. Ah ouais, c'est vrai, bah, c'est d'industriel ça. Je pense, ouais, okay. Ouais. Oui, quand tu vois l'ensemble de l'étal, ça fait moins artisanal. Ouais, ok, c'est un peu AliExpress et compagnie. Par contre, j'ai très en... je pense que je vais repartir avec les sous-verts tatami. Ah ouais, de ouf. J'irai les acheter hors live. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. C'était quelqu'un qui me connaissait, peut-être. Bah moi aussi j'ai cru, mais... Waouh, c'est quoi cette histoire là? Il y a encore un stand, mais regarde, il y a une barrière psychotinétique qui nous empêche de l'atteindre. Par où on rentre? Ah, par là-bas. Par l'autre côté, ouais. En quête des Kinoko no Yama. Ah, toi t'as envie de trouver ça? Franchement, s'il y en a, j'achète la boîte. Mais ça m'étonnerait
pense que tout le monde les a déjà achetés. Ma théorie, c'est ça, c'est qu'ils en avaient jeudi, vendredi, samedi, mais que vu qu'on en a mangé au Japon et qu'ils nous ont vus en manger au Japon, ils se sont dit ça a l'air trop bon, il faut en acheter. Non, il n'y a pas de Kinoko no Yama. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas de Kinoko no Yama, je suis tristesse. Terrible, pas de Kinoko no Yama. Tu sais que l'espace d'un instant, je me suis dit, tiens, si je sortais mon téléphone pour faire une petite image ou une photo. C'est non. 50€, tu l'achètes la boîte. En vrai, Ninja Alex, j'ai très envie de trouver une boîte de Kinoko no Yama pour la offrir à Cloto pour la remercier d'avoir tenu le chat. Elle m'entend pas là. Donc, bon, en vrai, 50 balles, c'est un peu cher, mais bon, voilà. Drake, coucou, ça va ? Bon, je suis tristesse. Il n'y a pas de Kinoko no Yama. Mais peut-être qu'on en trouvera ailleurs. J'ai l'impression que c'est le même stand, en fait. Ouais. C'est de la sauce soja de... C'est de la sauce soja goût Pokémon. Sauce soja goût Pokémon. Sauce soja... Comment ça s'appelle ? Ah, ils ont des poissons Pokémon. Ça va Sylvain ? Il fait chaud, mon survie. Comment se passe cette Japan Expo ? Trop bien. Trop trop cool. Vraiment chouette Japan Expo. Ah, il est taiyaki. Il y a des bouteilles d'évian à 3 balles. Tiens, viens, on va dans les allées là à droite. Hé, Océane ! Attendez une seconde, j'ai besoin juste de demander un truc à Cloto, je me mute. Ok. On fait un conseil de guerre, on arrive. Et re. Oh, la synchro sur le re. Il y a du vintage. Il y a des jeux vintage. Oui, je ne que les jeux, hein. Parce ouais, que, ouais. Parce que les figurines vintage, par contre. Les figurines. Elles datent d'une époque où. Vintagement dénudées. Où les standards n'étaient pas les mêmes. Ouais, voilà. Je me demande. Alors. Ah putain. En vrai, bon. C'est pas le côté que j'aime le plus de la Japan Expo ici. Ok, allons au côté que t'aimes le plus alors. Alors, j'ai très très envie de faire... Mais attends, par contre... Ah non. Ça c'est cool, ouais. Ouais. C'est rigolo. Il faut s'arrêter pour moins de 2 secondes. Oui, mais il y a marqué interdit aux photos. Ça dépend. Donc... Faites quoi exactement? Ah, là on est intéressé du coup parce qu'il y a peut-être des gens pour voir ça. Ah non, non, je crois pas. Moi j'ai envie de faire des photos pour mon plaisir. Oui, c'est, il un me fait rire. De photo, mais si c'est de la pub, ouais, contre, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est... Non, merci. Non, viens, on va retourner à la zone artisanale. Parce que je pense que c'est le mieux. Viens. Parce que là... Jeremy ? Ouais, je sais. Je sais qu'il faut retourner à droite et pas à gauche. J'ai parti par là. Parce que là, vraiment, les trucs de cosplay, etc., bon, c'est rigolo. Ouais, mais non, c'est très. C'est ça pas, fait très. C'est pas enfin, ma cam. C'est peut-être un peu méchant ce que je veux dire, mais ça fait un peu AliExpress et tout. Oui.
En mode, il y a pas mal de, y a des trucs qui sont un peu cheap. De ouf. Ça fait pas trop, on dirait pas qu'ils ont la licence, tu vois. De ouf. Le côté artisanat, c'était mieux. Et tu voulais pas aller sur le stand de... Il y a les kokeshi que je veux voir. Non, c'est pas grave. Ok, ok. Ça aussi, ça commence à être classé pareil, hein, au final. Ok. On va se dépêcher. Et faut aller sur la zone Sakura. Parce que... Et en vrai, c'était un peu l'endroit qui était le plus sympa. Ouais. Parce que en fait, il y a un stand aussi que j'ai très envie de voir. Je sais pas s'il est là cette année. Ok. Mais c'est une petite boutique tenue par des Japonais. Il y a beaucoup de... C'est là-bas que j'ai acheté mon Furin. Ok. À une Japan Expo édition 2012-13, je dirais. Peut-être même 2011. Moi, je scrute tout cosplay de Genshin Impact qui passera devant vous. Let's go. Faut pas hésiter à le dire, on vous a dit, si vous voyez des cosplays que vous reconnaissez, vous le dites, vu un tel, vu machin. N'hésitez pas. Ça, c'est rigolo, ça. T'as vu, il y a des lunettes. Ou t'as des LED. Des lunettes. Ou t'as des LED qui passent devant tes yeux. Ok. Genre, pour un train de la hype, ce serait trop rigolo, en vrai. Plus on attend, plus meilleur sera le début. Alors, on va essayer de passer. Je pense que je suis un petit peu grand avec vous aussi et en dire évitons de jouer le truc full milliard. Évitez de jouer les milliards en même temps, c'est un petit peu mort. Rien que d'être tout seul, c'est giga mort. Ok, vu l'écart, c'est worth it. Vu l'écart, ça vaut le coup. Je comprends pas. Je t'expliquerai après. Ah oui, ok, je crois que je comprends. Alors, du coup, on a quasi bon, revenu sur après, nos pas. Tu sais que tu vas avoir... Bon, on verra après. Ça marche. On s'organise pour vous faire... le. Attention, marche pas là. Ouais. On s'organise pour vous faire le meilleur divertissement possible. Pour faire le meilleur stream possible. Attendez, je relance juste la connexion. Ça va couper un peu. C'est bon, vous nous voyez toujours ? Je crois que d'avoir descendu deux bouteilles de 50 centilitres avant et pendant la conférence me donne peut-être envie d'aller faire un tour au petit coin. Ah, voilà, voilà. On y est. Alors là, il y a de la bouffe. Ramen, gyoza. Alors, le stand s'appelle Miya Kodori. Si jamais quelqu'un a un plan de la Japan Expo sous les yeux, si quelqu'un sait s'ils y sont, je sais pas s'ils y sont, j'ai pas regardé. Je sais qu'ils y sont à chaque Japan Expo et qu'ils exposent de très très belles choses à chaque fois. Ah, ils sont là. Ah, je les ai trouvés. Ah, oh, let's go. Cloto, j'ai trouvé. Alors là, il y a les kokeshi que je voulais vous montrer tout à l'heure et qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer. T'as vu tout ce qu'il y a? Ouais. Elles sont jolies, hein. Ah, tu sais ce que ça me rappelle? Non, dis-moi. Ça me rappelle... Pardon.
ça me rappelle quand on était au Japon, à la petite braderie, là, on avait trouvé le stand avec toutes les kokeshi, etc. C'est ce que j'étais en train de me demander, SGD. Le prix. C'est pas indiqué. C'est illégal. Allons dénoncer ce stand. Je sais pas pourquoi c'est pas... Ah, c'est marqué dans le dos. Alors la grande, elle fait 80. C'est indiqué où? Ah, dessus? Dans le dos, là, derrière. Okay. Je sais pas si on a le droit de prendre et de soulever une petite, genre pour voir... Bah, je pense. 15 euros. Voilà, celle que je viens de prendre est à 15 balles. Ça reste raisonnable. Par rapport, comme prix, ça reste raisonnable. Par rapport à combien elle coûte au Japon, ça n'a rien à voir, parce qu'au Japon, c'est vraiment... Les prix sont très bas, quoi. Ouais. Parce que c'est très répandu et il y en a beaucoup. Mais moi j'aime bien les kokeshi qui sont un peu originales, tu vois, genre les comme ça et tout, on en trouve vraiment vraiment partout. Ouais. Je trouve que celle-là, tu vois, elle est plus rigolote. Déjà elle a une expression du visage, on dirait qu'elle est mi-cursed, mi... Cursed ou cute. À la fois en train de rigoler et à la fois qu'elle est un peu hantée, tu vois. Ou après, j'aime bien quand elles sont un peu originales, quand c'est pas, tu vois, les kokeshi qu'on trouve partout. Je suis d'accord avec quoi, Cloto, ça fait très... Alors celle-là, elle a une expression de visage qui est plus rigolote que celle qu'on trouve un peu partout habituellement, je trouve, par exemple. Après, c'est vrai qu'au Japon, on en avait vu tellement. Celle-là, par exemple, elle est un peu plus originale, tu vois. Ah ouais. Elle ressemble moins à ce qu'on peut trouver. Non, derrière, dans le dos. C'est gratuit, il n'y a pas de prix. Elle ressemble un petit peu moins à ce qu'on trouve habituellement. C'est de la mignonnerie vislarde. Voilà. Ou celle-là, tu vois, celle-là, elle est un peu plus originale. En plus, t'as vu, il y a le bois en brut. Bonjour. On regardait. Merci. Merci. Ils ont des belles pièces de kimono et pas si cher que ça. C'est des haori, ça. Ouais. C'est comme j'ai c'est acheté... Alors là, la veste coûte 50 balles. Je te rappelle que ton haori, tu l'as payé 5 euros. Je crois, ouais. Pièce au Japon. Ouais. Et encore. Après, les miens que j'ai achetés, ils étaient japonais. Ils étaient d'occasion. Ouais. Plus comme ceux-là, tu vois. Ouais. Ils étaient un peu plus comme ceux-là. Là, c'est des plus épais. Moi, ceux que j'ai achetés, ils étaient un peu plus comme ceux-là. Mais effectivement, j'imagine que c'est 7 fois le prix, tu vois, par rapport au Japon. Let's go, Colibrigan, ça fait plaisir. Merci pour ton message. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien kiffer. Et en plus, tu sais qu'aujourd'hui, tu as double dose. C'est que là, on continue de se balader ensemble. Et, Ils ont un Vinted. J'ai vu sur le côté. Vous pouvez nous le donner, SVP. Oh, putain, let's go. Alors. Et après, on va passer sur la chaîne de Cloto. On va continuer la Japan Expo. C'est Madame Aori, le Vinted. Mais si vous avez l'occasion d'aller au Japon, vous allez trouver la même chose au Japon. Ouais. Si vous n'avez pas l'occasion, ça peut être utile. Ça fait amortir le prix du billet. Et chez eux, j'ai acheté un Oren aussi. Chez Issa, là, la Miyakonori. Ok. Joli, hein. J'ai très envie de me reprendre un Furi. Non, mais tu le prendras au Japon. Non? C'est vrai, mais j'ai peur de le péter. Ah! Non, mais ils vont te donner un emballage. Oh mon dieu, comme ils sont beaux les éventails! Regardez les éventails! Il y a le petit chat! Putain, c'est dommage, ils ont pas vu ta tête. J'ai vu les yeux de Jeremy s'écarquiller. Incroyable! Ah, ils ont des beaux articles japonais. Tu as vu les Kyusu là, comme elles sont belles? Oui. Là, vous avez les fameuses théières japonaises. Vous avez vu, monsieur, il a le même grenin que nous. On a plein de baguettes et plein de. Comment ça s'appelle? Théière. Ah bah tiens, c'est un modèle que j'ai. C'est le modèle que j'ai. C'est fait main, hein, donc du coup c'est...
c'est différent et la sonorité va... Vous entendez, la sonorité, c'est pas la même. Hein, en fonction du fourrine, et là, le fourrine même, je l'ai actionné, c'est le même modèle que celui que j'ai, et ça, il sonne pas pareil. Hein. Il sonne pas du tout pareil. Tout bambelle de Mannequin Echo. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pour le vlog. Bonjour, le vlog. Ça va ? Vous voulez dire bonjour sur le vlog ? Vous voulez dire bonjour sur le vlog ? Envoyez une ribambelle de bonjour, là, vous êtes filmé pour le vlog. Serait-ce un leak ? Peut-être. Peut-être. J'ai pas osé le dire tout à l'heure. C'est pas grave. Ça va apparaître. Ah, ça y est, regarde, SGD. Oui ! Voilà, on voit les vrais, là, qui disent bonjour. Incroyable. Merci. Let's go, bûche. J'allais dire, viens, je te fais une interview ici pour le vlog, mais du coup, c'est absolument pas du tout, c'est en stream. Bon, ça va, il y aura que 128 personnes qui auront vu l'exclusivité, quoi. Ah, ah, est-ce que vous toucherez au but ? Non, c'est non. C'est non. C'est non ? Ouais. Ou alors l'artisanal ? Parce qu'on traîne, on traîne. Ah non, mais j'ai vu de l'artisanal, là. C'est vrai. Je vous offre quelque chose. Mais je reconnais pas là où on était tout à l'heure, c'est parce qu'il y a plus de monde ? Oui, alors déjà, oui, il y a un peu plus de monde. Et ah, ils ont des sacs Hello Kitty, là, à gratter, là. Regarde le monsieur qui l'a dans son dos, là. Oh là là. Comment tu obtiens le sac ? Ah, mais putain, mais c'est les... Oh, c'est le... C'est le green tea du Javon. Ah ouais. Des giveaways. Ok, donc il faut acheter le thé, suivre Instagram, machin chose, et tu récupères du thé en plus. C'est le thé du Japon. Mais Nid. C'est le même. Suivez-nous sur Instagram. Mais je peux pas suivre, je suis en stream. Mais moi je peux. Oui, mais du coup, alors, ok. T'as mon coup ? Let's go. Bonjour. Ah, Genmaicha, super. Hojicha et Green Tea. Sencha ? Sencha. Et ils sont japonais, c'était ? Ah ouais, produit du Japon. Hein. From Japan. Let's go. Une bouteille. Tu veux que je le fasse pour toi aussi ? On en prend deux. Ok, si tu veux, ouais, carrément. Comme ça, tu follow aussi et comme ça, tu récupères. Allez, let's go. Aussi. Ouais. Deux. Deux, en plus, il est bon, là. Le hotcha comme ça, là. Ah, il est froid, tiens, c'est marrant. Je l'aime bien chaud, celui-là. Ça se boit froid. C'est du thé vert sans sucre. Ouais. Oui, mais au Japon, vous l'avez dans les distributeurs chauds aussi. C'est le même, non ? On dirait le même. Oui, oui, c'est le même, la même typo, je retrouve. Allez, c'est moi qui t'invite. Non, sérieux ? Oh, let's go. Attends, je ne veux pas. Je ne veux pas, bien sûr. Let's go. Vas-y, tu le fais avec ton compte. Et je le fais après avec le tien. C'est parti. Ah, regarde, tu l'as là. Ouais, non, c'est moi, j'ai un cœur. Alors. J'ai faim. Okay. On va manger. That's me. Et attends, mais quoi, du coup alors, c'est quoi, c'est le tote bag Hello Kitty ou une boîte de thé, tu veux quoi ? Moi, j'aimerais bien le thé. Okay. Non, Ojijan. Matcha Genmaicha. Matcha Genmaicha. Gâteau. Oui. Attendez, et toi, tu prends quoi ? Ok. Je sais pas, le tote bag ? Vas-y, tote bag, go. Le tote bag. Merci. Je te partagerai ma boîte de thé, tu me partageras la moitié du tote bag. Ah bah non, ça va marcher. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci beaucoup. Arigato gozaimasu.
trop bien. On a du... Bon, vous doutez bien que je n'ai pas du tout le Instagram de Jeremy. Oui. Très très bon. Oui, mais au final, moi, je vais aller les follow quand même, pour de vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il n'y a pas mais de... Mais par contre, je leur ai vraiment donné 2 follow. Oui. Il y en a qui savent qu'il y a un deuxième compte Instagram. Tout à fait. Donc pour le coup, ils ont vraiment eu leurs 2 follow, c'est pas une arnaque. Oui, oui, donc voilà. C'est juste que moi, je vais les follow. Et au final, ils auront 3 follow, là où ils pensaient en avoir que 2. Donc en vrai... Attends, t'as lu ce ? Non, j'ai pas vu. Mais non, aux 2N ! Incroyable. Non mais ouais, du coup tu iras les follow quand t'auras récupéré ton téléphone. Oui. Oui. Téléphone que je vais bientôt récupérer d'ailleurs. Du coup ils auront récupéré 3 follow. Mais final, oui, c'est ce que je disais. Ce qui est très rentable pour eux. C'est exactement ce que je disais. Tu es mute ma chère Cloto. Ah, mon panier d'Asie. Oh. Terrible, ils ont les taquets. On était à 2 doigts de toucher au but. Oh, putain, oui, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. Et ça, c'est la fraise, j'ai pas confiance. Oui. Mais il n'y a pas l'équinoco. Non, je sais pas. Je vais demander. Je sais pas si... Je vais demander. Et s'ils ont ça, il y a peut-être moyen qu'il y a les autres. Ça se passe super bien, cette Japan Expo. On s'éclate. Vraiment. Super chouette. C'est mes mensonges. Tu veux leur demander s'ils ont des Kinoko no Yama ? Ouais, je vais leur mais demander. Mais achète pas des Kinoko no Yama ici. Ça, tu vas les payer 4 fois le prix. Ouais, mais c'était juste pour en manger maintenant. Ah, ok, ok. Voilà. Tu veux leur demander, on peut leur demander. Bah oui, je sais. Attends, il y a le monsieur qui est là, à côté de toi. Ah, excusez-moi. Vous avez des Kinoko no Yama ? Moment. Bonjour, vous avez des Kinoko no Yama ? Non. Ah, okay. Il est comme ça en c'est, jaune. C'est comme ça mais en forme de champignon. Ah, merde. Okay. Merci. Terrible. On les trouvera jamais. Non, on les trouvera pas. L'addiction ne sera pas remplie. Je préfère les champignons, mais oui aux 2N. Mais oui, on est d'accord aux 2N. Ah ça y est, on arrive à la zone. Oh my god. Quoi ? J'ai oublié ça. Ah ! Oula ! C'est un mec qui fait du beatbox, hein, si vous entendez. Attends, je veux bien un coup de main par contre, parce ouais. qu'il y a un peu urgence. Vas-y. Attendez, il y a une urgence. On vous laisse avec le château d'Osaka, bien sûr. Tiens. Je m'envoie de coller coûte plus cher, là. Hein. Pourquoi on nous a pas mis sur cette scène nous, tout à l'heure ? Putain, on a eu des applaudissements et tout à la fin, quoi. C'était intense, hein. Ouais, c'était cool. Je t'avoue que j'ai demandé au chat s'ils avaient des questions, mais avec le décalage et tout, et comme vous étiez un peu pressés. Mais en fait, on n'a pas été pressés. Il y a juste un moment donné où la régisseuse nous a dit « Il vous reste 2 minutes !» Et là, je fais « Ah ouais, c'est déjà la fin !» Mais c'est passé ultra vite. Ouais. Merci. Bon, du coup, t'as une boisson au thé, hein, si t'as soif. Ouais, bah je vais la consommer juste après avoir coupé le live. Et je me suis tapé un caillou, mon cheval est tombé, et tout mon staff est tombé. On va avancer un petit peu. Ça écrit les prénoms en katakana, là, c'est rigolo. Ça faisait très bizarre d'avoir un micro à la main.
Ah ouais? Ouais. T'avais l'air très à l'aise pourtant. Le feeling était très très étrange. T'avais l'air très à l'aise pourtant. C'est vrai? Ouais. J'ai très très hâte de voir les photos que t'as faites. Parce que, bah en fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à varier les points de vue sur les photos parce que... Ah bah en même temps, je reste sur place, je bouge pas. Bah ouais, il y a un moment donné où j'avais envie de me lever aussi et de parler debout, tu vois, c'est... Et de balancer un prout atomique, mais bon, je pense pas que ce serait passé là. Non, ça, je pense pas, non. Non. Voilà, là on retourne sur l'allée des artistes. Alors, est-ce que c'est une zone qu'on n'a pas faite, ça? Je crois que cette allée, on l'a pas faite. Ça me dit rien. Ça me dit rien, moi. Ah si, il y a le Kintsugi, là, juste là, viens. Ah oui, on est passé un peu on plus est passé, vite. Là. Donc, c'est plutôt là. On va descendre d'un cran. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir les artisans. Là, on est dans le village des artisans japonais. Mais non, Ample, dis pas ça. C'est trop gentil. Bon, je suis content que ça vous ait plu en tout cas. Je suis très content. Je pense que je vais aller acheter maintenant les tatamis. Ok. Parce que si j'y vais pas maintenant, tu connais la règle. Oui, c'est vrai. On n'ira jamais. C'est la Donc, règle. Allons-y maintenant. La dernière personne qui a fait ça, elle a voulu acheter du fromage. Elle n'en a pas acheté, s'est retrouvée à l'autre côté. C'est Kaz et Dédé. Okay. Ils m'ont dit ça sur le stream la dernière fois. Ok. J'aurais demandé, vous avez acheté le fromage? Ils m'ont dit, non, on est allé à Lille. Je fais, ah. Ah, ok. Vas-y, devait y aller. Je sais plus. Ah, c'est là-bas, A4. Regardez ça, je vais devoir aller voir le replay. Mais ouais, mais moi aussi, je vais regarder le replay ce soir. J'ai très, très hâte. Hein. Tu me dis quand t'es up, hein? Que je squatte pas ton heure d'audience. Très joli le fourni. Très très joli. Regarde là, le centre d'accueil, une bouteille d'eau, 1 euro. Voilà. J'adore. Alors, les bols en bois étaient un petit peu chers. Je vais pas prendre ça. Mais par contre, les tatamis, là, je suis subjugué. Alors, du coup... On est venu tout à l'heure. Oh. Et là, on... Très envie d'acheter. Ça fait super pour le tatami. Voilà, merci beaucoup pour moi. Toto? Oui. T'es là? Ah pardon, t'étais en train de setup. Oh, pardon. Bah là, c'est une, je voulais avoir ton tatami avis. Au Japon. Ces petits tatamis sur la table. Ils sont très très bons. Merci. Quelle couleur ça vous aimez? J'en ai regardé, je sais pas lequel. J'aime bien le bleu comme ça. Ah, c'est ça. Mais si tu voulais en prendre un ou plusieurs? Peut-être un ou deux, je sais pas. C'est 24 euros et 2 pièces. 40 euros. Je trouve ça assez joli pour décorer les streams cuisine. Pour faire un petit support, tu sais, pour poser un bol, poser quelque chose ou quoi. C'est pour ça, hein, ouais. Est-ce que c'est assez grand pour un bol? Pour les baguettes, ouais, ça. Est-ce que ça fait pas trop petit? C'est un peu petit, mais pour un truc. Oh, pardon. Pour un truc comme ça, ça va, mais. J'hésite un peu en vrai. J'ai besoin de réfléchir. C'est très joli, on fait un tour, on revient. Ouais. Céramique, oui, céramique. Non, alors ça, c'est du bois. C'est du bois, la petite potière. C'est C'est du bois. Comment? Ah, eux. Eux? I'm sorry. Ah, it's okay. It is not my item here. No, okay. We saw the person earlier. It's okay, we know already everything.
Ok, bon, je vais réfléchir un petit peu et encore repassera. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vais réfléchir parce que je veux voir. Je pensais, je les voyais un peu plus grands. Ouais. Et je veux être sûr de pas juste prendre un truc sur un coup de cœur et en final ne pas l'utiliser. Je veux pas faire de bêtises. Ouais, la petite potière, c'était pas de la céramique, c'était du bois, et c'était très 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 léger, c'était très surprenant. Oui, en fait, moi je croyais que tu voulais en prendre pour faire des sous-verres. Ouais. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est stylé, tu vois. Ouais. Mais dans ce cas-là, faut en prendre deux, tu vois, parce oui. que... Oui, deux, moins... ça fait, deux, ça fait ça fait un peu onéreux quand même. Ouais, c'est ça. Deux, ça fait un peu onéreux. Encore une... Ok. J'ai pression. J'ai plus ça. Ah, ok, d'accord. Ça, là. On se promène en attendant. Ouais, je vois. Ah, j'ai le dos en compote. Pourtant, j'ai pas porté beaucoup le matos. C'est un peu cher aussi, ces petits habits. C'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Après, bon, c'est fait au Japon, c'est importé, la personne elle est sur le stand. C'est cool de soutenir les créateurs, les créatrices, les artisans, les artisanes, ça se dit. Au secours. On refait un petit tour là-dedans parce que finalement on a fait très très vite un tour là et j'avais peur d'avoir loupé. Sympa les costumes One Piece, il y a des cosplays vraiment cool hein. Il y a des cosplays vraiment cool hein. N'hésitez pas hein, si vous voyez des cosplays, petits cosplays là. Tu vois mal parce que tu es sur le tel, ok ça marche. Ouais, il y a des cosplays vraiment chouettes. On va sortir là, on va aller par là, tiens. Je vous dis, la Japan Expo, là, c'est vraiment en full pif. Hein. On vous emmène. Et je pense que c'est comme ça le meilleur. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais sur mon téléphone et en fait, je vois une ombre passer devant moi. Et je me dis, oh putain, j'ai failli marcher sur le chien. Et en fait, c'est. La queue du cosplay. La queue du cosplay. Je me suis dit la même, j'ai dit, putain, je vais lui marcher sur la queue. Mais sauf que j'ai cru que c'était un chien. Terrible. Oui pour artisane, merci la petite potière. Très jolie d'ailleurs, dernière création que tu as faite là, petite tourbillon là. Très sympa. Est-ce qu'on irait pas voir le food court, voir un peu qu'est-ce qu'il propose? Ouais, bonne idée. Ça, tu sens cette odeur? Cette odeur de combini là? Un peu, ouais. Merci beaucoup, mais avec plaisir. Avec plaisir. C'était très sincère en plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bouffe? Onigiri. Oh, regarde, il y a la boisson officielle de Demon Slayer. Tanjiro en train de boire son bubble tea avec sa sœur. C'est très mignon. Japan Daily. Mainichi Nihon. Ah oui, oui, bah Japan Daily. Effectivement. Moi, je sens rien, ouais. Du cosplay vraiment magnifique. Ah ouais, ils en prenaient plein la vue, hein. Je commande pas trop tout parce que bon voilà mais. Ouais ça a pas l'air ouf là. Ah ils font des takoyaki là-bas. Oh le stand là-bas là. Oh. Oh tu sens l'odeur là. Et on avait. Je me souviens plus, on avait mangé ou pas l'année dernière des trucs à la Japan Expo. Non on avait pris à emporter. On s'était dit on prend. Alors, il y a une fois où on est arrivé, je crois, genre après manger, je me souviens d'avoir mangé un sandwich dans le RER. Et la fois d'après, on avait prévu notre coup. Je vous préviens, les amis, dans le chat, je rentre dans un arc Bao et Nikuman. J'ai très très envie de refaire des Nikuman. Des brioches à fourrer à la viande avec la petite pâte et tout là. Surtout que là, on a le KitchenAid là, grâce à vous. Il faut le rendre hommage. Il y a 4 euros les pièces.
Ouais, mais ils sont fait comment t'es... Oh, la musique là, horrible. Vite, on se barre, il y a de la musique DMCA, au secours. Vous voulez faire fuir les streamers, vous mettez de la musique. Vous voulez faire fuir les streamers IRL de chez vous, vous diffusez de la musique. On se barre. Ouais, bon, pas ouf, hein. Franchement, la bouffe à la Japan Expo, c'est perte de temps sur le salon. Et également, JPP, il y a une scène qui s'appelle Bouddha. Je te jure, là-bas, il y a une scène qui s'appelle Bouddha. Ah, stylé. Yo Sakoy. Envoyez des dino dance dans le chat là. Blindé ce chat de dino dance là. Je peux pas danser. Bah en vrai j'ai le setup et tout le bordel hein. On va éviter de tout niquer. Rigolo. C'est du Yo Sakoy. C'est du Yo Sakoy. Ok. Est-ce que tu sais comment... Ah, attends. Ah, bah dis donc. Attends, comment je fais là? Comment ça se fait que ça charge pas? Relance l'appli? Ah, the fight does not... T'as enregistré dans ta pellicule? Ok, ok, c'est bon, je sais. Ok.
chouettes choses sur les scènes, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que vraiment j'ai un feeling de meilleur Japan Expo que l'année dernière. Putain, mais c'est dégueulasse, non? C'est pas... Bah ouais, l'image est pas ouf. Enfin, c'est l'image que t'as rajoutée qui est pas... Bah ouais, mais c'est la seule que j'ai trouvée. Bon, écoute, on va faire avec, hein. Ouais, ouais. C'est juste pour 3 minutes. Ouais. Non. Est-ce que vous avez envie qu'on aille voir les mangas? Est-ce que vous avez envie qu'on aille voir les éditeurs? Est-ce que vous avez envie qu'on se rende tout au bout de cette Japan Expo, là? Juste là-bas, là, tout au bout, au bout, au bout. Encore plus loin. Vu, qu'est-ce que t'as vu? Stand Nintendo, on y était. La Shogun Vu, ah, cool. On circule bien, alors on évite les grandes allées, on évite le grand tapis orange où il y a tout le monde qui arrive par là et qui suivent un peu comme des moutons le chemin alors qu'en fait il faut se disperser un peu à droite à gauche. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde que ce matin. Ça commence un peu à se décanter, à se fluidifier, à se... Voilà. Ouais, il y a des chouettes cosplay, il y a des très très chouettes cosplay. Attention, c'est DMCA ça. Quoi? La musique. Ah merde, sérieux, c'est vrai? C'est le générique de quoi, ça? Je sais pas. C'est SNK, non? Ah, peut-être. Ouais, mais c'est l'artiste. Attends, c'est la vraie artiste qui ouais, fait... Ouais. Incroyable. Et ouais. Très stylé. Très, très stylé. Oui, c'est du SNK. Bilizur s'est réveillé. En live. Ouais. Incroyable. Putain, ils font quoi, là? Incroyable. On va aller voir les éditeurs, les créateurs de vos mangas préférés, celles et ceux qui vous publient, qui vont faire le prochain best-seller. Ça va être incroyable. Et croyez-moi, j'ai déjà fait un peu de repérage. Croyez-moi, j'ai déjà fait un petit peu de repérage et il y a plein de choses très intéressantes à voir. Genre, c'est pour faire une photo, là. On se met en photo, là, on lance le stream comme ça, là. Très, très drôle. Voilà, les amis, on va passer sur la chaîne de Cloto. On va passer sur la chaîne de Cloto. Cloto qui est juste à côté de moi, hein. Cloto qui vous a tenu le chat, qui était avec vous pendant que j'étais sur scène. Hello. Voilà. C'est moi. C'est elle. Bougez pas. Je vous envoie un raid chez elle, tout simplement. Bougez pas. Ça se fait comme ça. C'est comme ça. La Japan Expo. Là, c'est bon. Hein. Ouais, ça, c'est bon. C'est comme ça, la Japan Expo. C'est comme ça, les lives IRL. Vous partez sur la chaîne de Cloto. On s'installe, on finit l'après-midi à la Japan Expo. Japan Expo interminable. Endless Japan Expo. C'est parti. Je cherchais le slash. A tout de suite sur sa chaîne. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Merci pour votre présence sur... la conférence, c'était vraiment dingue. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que ça vous a plu. J'ai trop hâte de voir vos messages dans le chat. On bascule de suite sur sa chaîne. Le live est déjà lancé, c'est parti. Je vous envoie un raid, vous n'avez rien à faire. Et on continue la Japan Expo ensemble. Ça va être vraiment la folie de dingue, incroyable. Donc voilà, merci pour cette belle édition de la Japan Expo. Et à tout de suite sur le live de Cloto.